Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Voilà, je veux le lire. Gloire à Dieu. Tu veux le lire? 2, 19, ouais. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Alors, je vais vous dire une chose. Frère, ouvrez grandement vos oreilles par rapport à ce que je vais partager. J'étais en train de méditer ce passage il y a moins de 10 jours. J'étais en train de lire la Bible. Et je tombe sur Jacques 2, 19. Et l'Esprit m'a ouvert les yeux sur ce passage. Là où j'étais assis, j'ai sursauté. C'était une illumination pour moi. Pourtant, ça fait près de 30 ans que je lis, hein, que je lis la Bible. Ce passage, je le connais par cœur. C'est un des passages que je connais par cœur depuis des années, depuis plus de 25 ans. Mais je ne l'ai jamais compris comme ça. Et il y a seulement 10 jours, à peu près, que le Seigneur m'a enseigné là-dessus, ce que Jacques avait compris, ce que Jacques avait reçu de Dieu, ce que Dieu voulait dire. Et je crois que ça va vous aider. J'ai sursauté, waouh! En fait, ce verset a été mal traduit. Ceux qui ont la version de Segon, Schofield, il y a un petit commentaire là, à côté, on a dit, n'est-ce pas? Et Jacques 2, 19, voilà. Et voilà, il y a deux lettres BB. Et même Segon dit qu'en fait, ce verset veut dire Dieu est un. Hein? Martin dit, tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu. Et c'est ce que nous avons mis aussi dans notre version. Mais dans la révision que nous allons faire, on va mettre, tu crois que Dieu est un. C'est à peu près la même chose. Et j'étais là et le Seigneur m'ouvre les yeux. Il me dit, tu vois, on vous a enseigné sur la Trinité. Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils au milieu, Dieu le Saint-Esprit à droite, ou Dieu le Père à gauche, Dieu le Saint-Esprit au milieu et Dieu le Fils à droite. Pourtant, ici, Jacques, celui qui a écrit cette lettre, était le frère du Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans Acte 15, qui a pris en dernier la parole lors de cette grande réunion pour clôturer la réunion qu'il y a eu dans Acte 15. Et Jacques, qui est resté avec son frère Yeshua, homme, qui a vu Yeshua, qui a grandi avec Yeshua, Jacques, qui a combattu aussi Yeshua avant sa conversion, avant qu'il ne se convertisse. Parce que dans Jean 7, on nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Donc Jacques faisait partie. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, on voit Marie, mère de Jésus-Christ homme, et ses frères, les frères de Jésus-Christ homme, qui étaient là avec Paul, avec Pierre, pardon, avec les 11 apôtres. Ils persévéraient dans la prière. Jacques a reçu l'onction lorsque l'Esprit est descendu dans Acte 2. Jacques, le frère du Seigneur, était là. Et Jacques écrit cette lettre, vous savez, en quelle année? En 45. Après Jésus-Christ. C'est la première épître qui va être écrite. C'est celle de Jacques. Et dans la BJC, après les actes des apôtres, c'est cette épître-là que vous allez trouver. Alléluia. Ce n'est pas Romain, c'est Jacques. Voilà. Et qu'est-ce que Jacques dit? Jacques s'adresse à qui? Jacques s'adresse, nous dit la parole, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il leur dit salut. Donc cette lettre, Jacques était un bon juif. Rappelez-vous bien dans Acte 21, Jacques, le frère de Yeshua, va demander même à Paul de se faire, n'est-ce pas, de sacrifier des animaux avec des hommes qui avaient fait un vœu, le vœu de Nazaréat. Donc Jacques, le frère du Seigneur Yeshua, était attaché à la parole, à la loi de Moïse, au principe directeur que Dieu avait révélé à Moïse. Jacques, le frère du Seigneur, était aussi attaché à, comment dire,
était aussi attaché à cette révélation que Dieu avait donnée à Abraham, comme quoi Dieu est un. D'accord? Parce qu'Abraham nous dit, Josué 24, suivez l'enseignement, on vous amène quelque part. Dans Josué 24, Josué dira que Abraham, le père d'Abraham, Térak, avec ses pères, hein, priait des faux dieux. Et Dieu prend Abraham, le sort de la Mésopotamie, et il se révèle à lui comme étant le Dieu un. Est-ce que vous savez qu'Abraham est le père de la foi? Amen. Qui est d'accord avec la Bible? C'est écrit. Dites-moi, le père de la foi que nous avons là, c'est qui? Je vous repose la question, c'est qui? C'est Abraham. Le père de la foi, c'est Abraham. C'est écrit dans la Bible. Le père de la foi, c'est qui? La foi que nous professons, qui en est le père? Ok. Maintenant, est-ce qu'Abraham a confessé Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Non. Mais pourquoi vous qui êtes ses fils, nous qui sommes ses fils, comment sommes-nous arrivés à diviser deux en trois? Alors qu'Abraham n'a pas connu Dieu comme ça. C'est lui qui est le Père de la foi que nous professons. Mais nous professons, beaucoup professent maintenant, la foi qui parle de trois dieux. La sorcellerie. Vous comprenez, frère, on arrive quelque part, hein? Et Jacques, qui est attaché à Abraham, parce que c'est un bon juif, vous ne pouvez pas dire aux juifs que Dieu, il y a trois dieux. Non. Et on dit, mais vous êtes Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Herad. Écoute Israël, c'est Shema. Écoutez et, écoutez et comprenez. Ce n'est pas seulement entendre. J'écoute, j'entends et je comprends. C'est ça le Shema. Shema Israël, ça c'est la prière la plus connue chez les juifs. Deutéronome 6, 4. Shema Israël, écoute Israël. Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Et un, c'est clair, on ne peut pas changer, on ne peut pas rajouter. Il y a un seul Dieu, il y a une seule terre, il y a un seul Dieu. C'est clair, c'est comme ça. D'accord? Alléluia. Ne dormez pas. Et Jacques dit quoi? Jacques s'adresse aux juifs qui connaissaient la foi d'Abraham. Il ne s'adresse pas d'abord aux chrétiens. Il dit aux 12 tribus dispersées. Salut. Il s'adresse à la diaspora juive. D'accord? C'était sa mission. Rappelez-vous bien que Jacques et les autres apôtres de l'agneau avaient la mission de convertir, d'annoncer l'évangile aux juifs. C'est Paul qui a reçu la mission pour s'adresser aux païens. Alléluia! Donc Jacques s'adresse, il accomplit sa mission, il répond à son appel. Il respecte la mission que le Seigneur lui a donnée. Et il s'adresse à ses compatriotes. Et il dit quoi? Il dit, vous croyez que Dieu est un? Voilà ce que Jacques a dit. Vous croyez que Dieu est un? Littéralement, c'est ça. Ce n'est pas comme dans la seconde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu, oui, c'est à peu près ça, mais ce n'est pas vraiment ça. Vous croyez que Dieu est un? En fait, Jacques leur rappelle le Shema Israël. Shema Israël, Adonai, Elurenu, Adonai, Ehad. Vous croyez que Dieu est un? Ou vous croyez qu'il n'y a qu'un Dieu? Il dit, vous faites bien. Mais il va plus loin encore. Il va dire quelque chose qui m'a fait sursauter. Jacques dit, les démons le croient aussi. Waouh! Donc les démons ne croient pas à la Trinité. Alléluia! Dis à ton voisin, illumination. Dis à ton voisin, c'est ça le message. C'est ça la parole. Oh mon Dieu. Oh, ya. Je ne sais pas si vous avez compris. T'as vu comment il est merveilleux. Jacques nous dit que les démons ne croient pas à la Trinité. Bien que ce soit eux qui l'ont inspiré, mais ils ne croient pas. Ils savent que Dieu est un, frère et soeur. Et Jacques va encore plus loin. Il dit que non seulement que les démons croient cela, mais ils tremblent. Mon Dieu. J'étais là sur mon canapé, j'ai crié. Aïe. Donc les démons ont une forme de croyance. Ils croient en un seul Dieu. Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Satan, il y a un seul Dieu. Un seul chemin. Une seule foi. Un seul baptême.
un seul Père, un seul Créateur, un seul Esprit, l'Esprit de vérité, une seule parole. Ah! Recevez l'illumination. Oh, les démons nous ont trompés. Ils croient des choses et ils veulent nous écarter de la véritable révélation. Ils ont inspiré la Trinité. Alors que c'est la révélation d'un seul Dieu qui fait trembler tout le monde. Pourquoi? Parce que s'il y a plusieurs dieux, on se passe devant qui on doit trembler. Mais quand tu es le seul véritable Dieu révélé, frère, tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Ben, ils connaissent, ils savent. Parce que quand Dieu, le Créateur, les a créés, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Jesus, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Jesus. Jesus Christ. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Les Juifs croyaient en un seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Père. Un seul Sauveur. Un seul Rédempteur. Un seul Seigneur. Jesus Christ. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Il y a révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Jesus Christ. Écoutez. Et tu seras sauvé. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu des dieux, le Dieu tout puissant. Acclame-le dans la gloire. Il est le Dieu vivant, le Dieu que tu adores. C'est le Dieu de gloire. Il est là à l'instant. Si tu crois, tu recevras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il est vivant. Le Dieu que tu adores s'est levé. La justice, la vérité, l'Esprit Saint. Il y a un seul Dieu qui est vivant, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tout nom. C'est le Dieu de gloire. Regarde Jésus qui s'est donné. Il a payé le prix. Le Dieu que tu pries, il est vivant. Il est magnifique. Jésus. Jésus. Il est là. Il passe. Le vent qui souffle. C'est Jésus. Jésus. Il y a une onction. Il y a un vent. Il y a une onction. Dispose ton cœur. Disposez-vous. Disposez-vous. Le Saint-Esprit. Le Dieu vivant. Il est là. La vérité triomphe, la vérité triomphe, la vérité triomphe, la vérité est parmi vous, la vérité est parmi vous. Croyez, 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 la vérité est là. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Chacune à son tour. Chacune à son tour. Yeah.
arrivé. Dieu, le temps est arrivé. Le temps est proche. Oh, mes enfants, craignez l'Éternel. Craignez Dieu. Il est là. Le Dieu, le Dieu. Nous disons amen à cette parole. Vous avez vu, quand j'ai lu ce passage, frère, nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien, mon frère Alain. Oh, que les trinitaires se repentent. Jacques dit que les démons croient que Dieu est un. Et non trois en un. Je préfère croire à la Bible. Je préfère croire à ce que la Bible me dit. Je suis Dieu, je suis votre Seigneur. I will never forsake you. I will never forsake you because I am your God. I am your God. I am your God. Trust me. Trust me. Trust me. Trust me. I will never forsake you. Et vous ferons la guerre, mais ils ne seront pas. Je suis là. Je m'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, mon nom. Je suis Dieu. Je suis vivant. Je règne. Je règne. Je suis sur mon trône. Je règne. Je règne. Je règne. Je règne. Allez-y, je vous envoie. Comme des loups. Au Sakara, Baba. Je vous envoie parmi les loups. Mais je suis là. Je suis avec vous. Je suis maintenant jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quand j'ai lu cette illumination, j'ai crié. Je dis, Seigneur, pendant des années, je n'ai pas compris que les démons croient que tu es un. Pendant des années, je n'ai pas compris que les démons croient, que les démons ne croient pas à la Trinité. Ils ont inspiré la Trinité pour nous tromper, alors qu'ils connaissent la vérité. Et Jacques reçoit la révélation. Il annonce aux tribus d'Israël, aux 12 tribus. Il leur dit, vous croyez que Dieu est un, vous faites bien. Donc Jacques dit, c'est une bonne chose de croire cela. Dans Daniel 11, au verset 32, Daniel dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Le problème, c'est que si beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prendre position pour la vérité, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Voilà, quand il y a des combats, ils vont faire des réunions pour dire non, le frère Chora n'aurait pas dû faire ça. Vous êtes encore charnel. Allez voir plutôt Dieu, allez, vous voulez faire des réunions autour de mon nom. Le Sanhédrin. Qui vous a établi. Dieu pleure parce qu'on l'a disséqué en trois. Il est un. Père. Il se révélait, il s'est incarné pour devenir fils. Homme, 100% homme, ça sur le côté humain. 100% Dieu sur le côté Père. Dieu, la divinité. Dans 1 Timothée 3,16, Paul dit, le mystère de la piété est grand. C'est un mystère. Oh, ce Dieu s'est entouré de mystères. Comment voulez-vous connaître Dieu charnellement, frère? Même les anges ne font que découvrir Dieu. Même l'éternité n'est pas suffisante pour que nous découvrions Dieu. Il est Dieu, il est infiniment infini. Paul dit, le mystère de la piété, c'est un mystère de la piété est grand. Il dit, Dieu a été manifesté en chair. Dites-moi, lequel de trois? Lequel de trois? Parce qu'il y a un seul Dieu. Qui s'est manifesté en chair. Et là, on comprend encore mieux la révélation de la croix. On comprend encore mieux la rédemption. Parce que c'est Dieu lui-même, c'est le Père lui-même qui va s'incarner, frères et sœurs, pour devenir homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu, frère, lequel? Mais c'est un seul Dieu. La parole est Dieu, frères et sœurs. Cette parole, elle s'est faite chair.
Oh, ya, 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 ya. Donc, Dieu est devenu chair. Ça, c'est le côté homme. Et Colossiens 2, 9 nous dit, en Jésus-Christ, homme, habite corporellement. Quoi? Toute. On n'a pas dit une partie. On n'a pas dit le Dieu-Fils. On a dit toute la plénitude de la divinité. Oh, ya, 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 ya. Toutes, on avait toutes, on n'a pas dit une partie. On n'a pas dit, oh non, le Dieu le Fils seulement là. Non, mon frère, quel est le Dieu qui est descendu? Le Dieu le Fils? Oh charnel, oh religieux, oh. Mais voilà pourquoi les démons ne tremblent pas quand vous prêchez. Voilà pourquoi les démons ne sortent pas quand on chasse les démons. Voilà pourquoi il n'y a, pas le réveil. Parce qu'on présente droit Dieu, lequel choisir maintenant là, devant le trône. Comment il peut dire mon père m'a envoyé? Mais aussi c'est le Fils. Ah oui, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il dit le Fils de l'homme qui vous parle. Il parle à Nicodème dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, ce n'est que celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Frère, il était sur terre, il dit en même temps qu'il est dans le ciel. Oh my God, my God, my God. Comment quelqu'un peut être à la fois sur terre et là-haut? Je vous dis une chose. Quand il est né, il était bébé. Dans cette maison, bébé. Entre les bras de sa mère, Marie. Hein? En même temps, il y a une étoile qui a dirigé les mages jusqu'à cette maison. Et on nous dit que... écoutez-moi, je vous dis une chose. Et Balaam le prophète, dans Nombre 24, 17, il dit, je vois une étoile qui sort de Jacob. My God. Donc c'est lui, Yeshua, l'étoile. Il dit, Pierre dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève. Oh my God. Et Yeshua, dans Apocalypse 22, il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Il veut dire quoi? Il était le bébé sur terre. Il était l'étoile au ciel qui a conduit les mages. Il était à la fois sur terre bébé et là-haut étoile. Il a dit à Marie, je ne suis pas encore monté voir mon père. C'est normal, c'est le fils qui parle. Le côté fils. Toi, tel que tu es là. Tu es la fille de ta mère. Ça ne dérange personne. Tu es l'épouse de ton mari. Ça ne dérange personne. Tu es à la fois fille et épouse. Tu es en même temps la mère de tes enfants. Ça ne dérange pas. Une seule personne, mais tu joues toujours plusieurs rôles. Hein? Ça ne dérange personne. Ça ne choque personne. Mais quand c'est Dieu, on dit non, c'est bizarre. On nous dit qu'il n'y a aucun autre nom au-dessus de ce nom. Si ce n'est pas lui le Père, alors dites-moi donc que le Père a un autre nom. Donc c'est bizarre parce qu'on nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Il n'y a aucun autre nom. C'est le nom le plus puissant. Il n'y a aucun autre nom qui nous est donné. Il n'y a aucun autre sauveur. Or le Père, on l'appelle son sauveur. Le Père, on l'appelle... Oh my God, Jesus. Il y a tellement de choses à partager, mes amis, là. Charge Jesus Christ. Le problème, c'est que si vous voulez avoir des victoires, il faut connaître qui est Dieu. Et Dieu se révèle. Dieu, on le... Ce n'est pas la théologie. Il doit se révéler à vous. Ce n'est pas la théologie. Si vous ne recevez pas la révélation, l'illumination, vous n'allez pas comprendre. Tu crois que Dieu est un? Il dit, tu fais bien. C'est une bonne foi. C'est une bonne croyance. Tu crois que Dieu est un? Jacques dit, c'est une bonne chose. Tu ne peux pas croire à autre chose. Vous savez pourquoi Jacques dit ça? Parce que les Grecs, Jacques connaissait les Grecs. Les Grecs avaient tout un panthéon avec plusieurs divinités. Zeus, machin, Hermès, tout ça. Il y avait plein. Astarté, chez les autres, là-bas, les Romains, pareil. Ils vivaient au milieu d'un peuple. Ils étaient entourés des nations qui priaient plusieurs divinités. Et Jacques dit, tu crois que Dieu est un? Tu crois, c'est une bonne chose. Il dit, les démons, même que les démons que vous connaissez, les démons là, vos démons, vos divinités là, savent. Hein, vos démons là. Quand il parle, les démons le croient. Il parle quoi? Il dit quoi? Les démons là, c'est quoi? Zeus, un démon. Oui, non, frère, c'est ça. Hermès, un démon. Hercule, un démon. Il dit, vos démons là, les démons aussi, ils le savent. Ils le croient aussi. Et comme Dieu est un, et comme il le croit, il tremble devant ce Dieu qui est un, frère et soeur. Donc, la révélation d'un seul Dieu fait trembler les démons. Oh my God, Jesus Christ. La Trinité nous vient de la papauté. Mais elle vient de l'Égypte. Il n'y a plus encore de Babylone. Trois têtes. Shiva, Brahma et Vishnu. Chez les hindous. Voyez, nos frères et sœurs, vous êtes là, la machin, Dieu le Fils d'un côté, Dieu le Père de l'autre, tout ça. On dit les trois sont co-éternels. C'est trois personnes distinctes. C'est grave. C'est
c'est des fonctions qu'ils jouent, des rôles qu'ils jouent, tout simplement. Il y a un seul Dieu, il y a un seul trône, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux personnes sur le trône, frères et sœurs. Hein? Allez, pousse-toi un peu pour laisser la place à l'autre. Non, c'est pas ça, frères et sœurs, c'est pas ça l'évangile, mes amis. Il y a un seul royaume, un seul trône, frères et sœurs, un seul chemin, frères et sœurs. Alléluia. Ooh, Jesus Christ. Il fallait un homme pour nous sauver. Dieu ne pouvait pas nous sauver en tant que Dieu. Il fallait un homme. Dieu regarde au ciel, personne. Il regarde sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Il dit, mais je vais envoyer qui? Les prophètes sont tous contaminés par le péché d'Adam et Ève. Même Élie, contaminé. Même Élisée, contaminé. Chora, contaminé. Personne ne pouvait envoyer. Même les prophétesses, tout le monde contaminé. Dieu dit, bon, je le fais moi-même. Je vais prendre, créons l'homme à notre image. Donc Dieu avait son image déjà créée par nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu crée l'homme. Vous savez, les quatre êtres vivants, hein? Il y a la face de lion. Le lion, le royaume. Il y a la face de l'aigle, le prophète, hein, Jean. Alléluia, le lion, c'est le Matthieu. Il y a la face du bœuf. Hein, c'est le bœuf, mes amis, c'est le serviteur, le Marc. Et il y a la face de l'homme. L'homme. Avant que Yeshua ne s'incarne, il y avait déjà la face de l'homme là au ciel, mes amis. C'est pour vous montrer que dans ce Dieu, il y a une part d'humanité, frères et sœurs. Jesus Christ. Alléluia. Hey. Voyez, non? Il est le lion. Jesus. Il est le serviteur. Esaïe 42 nous parle du serviteur de Yahweh. Voici mon serviteur, il prospérera. Ça c'est Marc, c'est le serviteur. Voilà pourquoi l'évangile de Marc commence par les miracles, frères et sœurs, par celui qui sert les hommes. Alléluia, Jesus Christ. Ouh, alléluia, ouh, alléluia. Recevez l'illumination, mes amis là. Recevez l'aigle, c'est Matthieu. L'aigle s'envole dans les hauteurs. Là c'est la divinité. L'aigle s'envole. L'aigle a une vue perçante. Alléluia. L'aigle voit ses proies de loin et il tombe sur ses proies. Les aiglons boivent du sang. Voilà pourquoi nous buvons le sang de Jésus, la nouvelle alliance. Si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Nous sommes des aiglons, nous buvons le sang de Jésus de Nazareth, frères et sœurs, le repas du Seigneur. Voilà pourquoi Melchisédek va se révéler à Abraham avec le pain, avec le vin. Parce que Abraham est le père des aiglons, frères et sœurs. Alléluia. Job 39 nous dit que les aigles boivent du sang. Ouh, ouh, Jesus Christ. Ouh, Jesus. Alléluia. Voyez nos frères et sœurs, maintenant le côté homme, la face de l'homme, des quatre êtres vivants là, mes amis, la face de l'homme. Là c'est Luc. Il y a près de 132 mentions dans le livre de Luc. De 132 mentions du terme fils de l'homme. Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est pour s'identifier aux hommes, n'est-ce pas, qu'il est venu sauver, qu'il est venu délivrer. Il a paru comme un vrai homme. Ouh, alléluia. Il a paru comme un vrai homme, frères et sœurs. Donc Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il a regardé avec personne. Tout le monde était contaminé. Il prend son propre sang. Il est descendu. Il a habité dans le ventre d'une femme 9 mois, frères et sœurs. Le mystère de la piété. Oh, alléluia. Il a accompli les œuvres que Dieu seul peut accomplir. Il dit, qui peut me convaincre du péché? Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Qui peut me convaincre du péché? Qui? Ce n'est pas un homme, mes amis. C'est un homme comme toi et moi. Mais le sang qu'il avait, c'est le sang de Dieu. Dieu tout puissant. Vous allez dire, mais pourquoi il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Mais vous n'avez pas compris encore. Vous êtes encore dans la chair. Il est 100% homme et 100% Dieu. Tu n'as pas compris encore? 100% homme et 100% Dieu. Regardez. Vous allez dire, mais pourquoi il priait le Père, tout ça là? Comment c'est possible, tout ça là? Ça, c'est l'homme qui prie le Père, le divin. C'est, il fait ce qu'il veut. Mais dans Deutéronome 34 là-bas, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Yahweh dit, je passerai, je vais proclamer le nom de Yahweh. Yahweh passe. Il dit, Yahweh, Yahweh, il parle de lui-même à la troisième personne. Nous c'est comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Il dit, Yahweh, Yahweh, c'est comme s'il priait quelqu'un d'autre, frère. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Oh, alléluia. Dieu tout puissant, Yeshua, le... Paul connaissait le vrai Dieu. C'est pour ça dans Romains chapitre 9, verset 5, il dit, Christ est le vrai Dieu. Christ est Dieu tout puissant. Il le dit, nous, mes frères et sœurs. Il le dit. Jean nous dit, nous savons que le Dieu de gloire est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour l'intelligence. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas l'intelligence. Or, c'est l'Esprit qui rend intelligent. Alléluia. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître, frère. Oh, alléluia. Le mystère du royaume nous concerne les enfants du royaume de Dieu. Les autres, ils leur parlent en parabole. Oh, alléluia. Il dit, le Fils nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dedans. Nous sommes dedans, dans le véritable. Aïe, 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 aïe. C'est lui, le Fils, c'est lui, le véritable Dieu et la vie. Il dit dans Jean 17, 3, il dit, Père,
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul véritable Dieu, le vrai Dieu et la vie éternelle. N'est-ce pas, alléluia? Toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Yeshua. Donc, la vie éternelle, c'est quoi? C'est le fait de connaître le véritable Dieu, le Père. Écoutez, frères et sœurs, écoutez. Il dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Toi, le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Écoutez bien, écoutez bien. Toi, le vrai Dieu. Le mot vrai, là, dans Jean 17, 3, est le même terme grec utilisé dans 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes dans le vrai Dieu. En son Fils, c'est lui le Fils qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Frère, Yeshua dans Matthieu 11, 25, il dit, je suis la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Vous comprenez, frère, il n'y a pas deux vies éternelles. Jésus dit, je suis la vie éternelle. Il dit dans Jean 14, 10, je suis le chemin, la vérité et... Il y a combien de vies? Ah ben, c'est le Père et la vie éternelle. Et qui est cette vie-là? Jésus. Dieu. Un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Ça veut dire quoi? Tu peux l'admirer. Tu peux l'adorer. On l'appellera admirable. Conseiller. Qui conseille? Qui conseille? Il dit, qui a assisté à mon conseil? Il y a un seul conseiller. Il y a un seul conseil. C'est le conseil divin. Le conseil d'Adonai. Il dit, on l'appellera Dieu puissant. Qui est le Dieu puissant? Qui est le... Oh, il y a un seul Dieu. On l'appellera Dieu puissant, frères et sœurs. Et on peut l'appeler comment aussi? Père. Non, 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 non. Comment? Le mot en hébreu signifie vraiment Père d'éternité. Père d'éternité. Père, c'est-à-dire il y a un seul Père qui est éternel. Et regardez bien dans Hébreu 7, on nous dit quoi? Ce Melchisédek, il est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Rendu semblable au Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, en tant que Dieu, on nous dit, il n'a pas de Père. En tant que Dieu, ça c'est le côté divinité. En tant que Dieu, Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant que Dieu, je dis, en tant que Père, il a un Père, le Père Dieu. C'est ça normal. Un Père adoptif, Joseph, une mère biologique, Marie. Nous sommes en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, Père, frère, il n'a pas de Père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Mes amis, on nous dit que son Melchisédek, c'est Jésus-Christ de Nazareth, frère de soeur. Oh, Jesus. Il remplit tous les rôles. Il est le pain de vie. Il est l'eau de vie. Il est le feu qui consume, qui purifie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le lion de Juda. Il est l'agneau de Dieu. Il est, mes amis, alléluia, la source d'eau vive, frères et sœurs. Il est le rocher des âges, frères et sœurs. Il est le rédempteur, frères et sœurs. Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'agneau de Dieu. Il est l'époux de l'église. Oh, yeah, yeah, yeah. Il est le Seigneur. Il est dit dans Luc 21, 52. Après sa résurrection, les apôtres l'ont adoré. Le mot adorer, c'est dans le grec, dans ce passage, est le même utilisé dans Luc 4, où Yeshua dit à Satan, tu n'adoreras que Dieu seul. Frères et sœurs, c'est le même mot grec utilisé pour Yeshua. Les apôtres l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Oh, nous t'adorons. Et Jésus a accepté. Nous adorons encore. Adorez-moi encore. Je suis le Dieu véritable. Frère, il n'y a que Dieu qui doit être adoré. Là, il a reçu leur adoration. Jésus. Et le Saint-Esprit, vous savez comment on l'appelle le Saint-Esprit? Comment on l'appelle? L'Esprit de Jésus. Dans Actes 16, l'Esprit de Jésus. Paul dit dans Romains 5, dans Romains 9. Il dit, si quelqu'un n'a pas, Romains 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de... J'ai pas entendu. L'Esprit de... Il ne lui appartient pas. Et l'Esprit de Jésus, comment on l'appelle? Ben alors, vous avez pris l'Esprit de Jésus, vous avez créé un autre Dieu là-bas. Oui, Dieu est Esprit, mais c'est lui-même. C'est pour ça que la Bible s'appelle la Bible de Jésus. Il dit aux gens, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Je suis. Je suis. Il dit à Moïse, celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. On lui pose la question dans le Gethsémané. Il pose la question à ceux qui étaient venus l'arrêter. Qui cherchez-vous? Ils répondent, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez comment il a répondu Jésus? Il a dit, moi, je suis. Wow! Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier. Et le Père dit la même chose.
Regardez, mes amis. Regardez, mes amis. Vous avez la parole? Vous avez la parole, frères et sœurs? Qui aime la parole, mes amis, là, ici, là? Oh, je suis excité, là. Quand on touche à la divinité de Jésus, mes amis, ça m'excite. Oh, Jesus. Oh, c'est bon. Oh, c'est comment? Oh, Jesus. Qui sent que c'est bon, là? Apocalypse 21:6. Ouh, tu fais bien de croire en un seul Dieu. Tu fais bien. Jesus Christ. Lisons-le à haute voix. Apocalypse 21:6. Tous ensemble. 1, 2, 3. Et il me dit, c'est fait. Attends. Dans votre version, c'est écrit, c'est fait. Mais ce n'est pas vraiment ça. Littéralement, c'est accompli. Voilà ce que le mot veut dire. Qui l'a dans sa Bible là? Qui l'a? Dans ta Bible, c'est écrit comme ça? Lis-le, s'il te plaît. Lis-le, s'il te plaît. Mon frère. Alléluia. Alléluia. Ah! Eh! Eh! Oh. C'est quelle version ça? Martin, donne-lui le micro. Donne-lui le micro. Moi, j'aime Jésus. Apocalypse 21:6. Et il me dit aussi, tout est accompli. Non, relis-la encore. Et il me dit aussi, tout est accompli. Encore. Et il me dit aussi, tout est accompli. Point. Point. Je suis. Toi, point. Ah, tu vas revenir là-dessus. Mais va, tout est accompli. Va dans Jean 19:30. Jean 19:30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Oh! Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Ah, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Ah. Là, c'est la boxe spirituelle, mes amis. Là. Les démons ont des coups de poing, là, mes amis, là, terrible. Vous voyez? Qui ne savait pas que le Seigneur l'a dit à deux reprises là, dans la Bible? Tout est accompli. Ils ont mal traduit ici là. Ils ont dit c'est fait. C'est grave. Jésus, après sa mort et sa résurrection, il était déjà monté au ciel. Il se révèle à Jean. Il me dit, tout est accompli. Je suis. Le je suis ici, ce n'est pas le verbe être. Hein. C'est le nom. Je suis. Hein? Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Non, encore. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Oh. Apocalypse 1, mes amis. Vous aimez la parole? On vient ici pour la parole. Le réveil, c'est la parole. Le retour à la parole. Ça brise la religion. Alléluia. Jesus, Apocalypse 1:8, lisons-le à haute voix. Jésus-Christ dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui le dit? Jésus. Qui le dit? Jésus. Allons dans Apocalypse 1:8, maintenant, à haute voix, 1, 2, 3. Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur qui? Dieu. Le Seigneur. Dieu. Le Seigneur. Dieu. Oh. Attends. Je suis l'alpha et l'oméga. Et il me dit, tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga. Et là, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui. Et la suite, c'est quoi? Le tout puissant. Le tout puissant. Qui est le tout puissant? Jésus. Qui est le tout puissant? Jésus. Non, je parle. Qui? Jésus. Qui? Jésus dit qu'il est le tout puissant. Qui est d'accord avec Jésus? Amen. Jésus dit qu'il est le tout puissant. On nous dit que celui qui est présentement, qui était et qui. Donc on nous dit qu'il était. Allons voir dans le était là. Dans le était là. Il était. Il était avant. Ça c'est avant. Ça c'est le passé. Il y a le présent. Il y a le futur. Il y a le passé. Il y a le présent. Il y a le futur. Allons dans le passé de Jésus de Nazareth. Genèse 17:1.
Genèse 17:1. Jésus dit qu'il est le Tout-Puissant. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Alléluia. Il y a la boxe ici là, mes amis. 1, 2, 3, tous ensemble. 1, 2, 3. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu. Jésus est. Jésus est. Wow. Donc quand dans Jean 8 là-bas, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il voulait leur dire qu'en fait, j'ai visité Abraham. Je lui ai dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face avec intégrité. Vous vous rappelez, vous vous rappelez, vous vous rendez compte de qui est Jésus, mes amis là? C'est pas un petit enfant là, mes amis là. Ah! Donc, vous comprenez, Jésus, avant son incarnation, il était. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois intègre. Donc celui qui a appelé Abraham. Ça, c'est le côté divin, le Père. Ya, ya, ya. Vous savez, le Tout-Puissant en hébreu, El Shaddai. El Shaddai. Écoutez, El Shaddai. El, c'est Dieu. Shaddai, Tout-Puissant. Vous comprenez? El Shaddai. El, c'est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, frère. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis. Je suis. Et il dit dans Apocalypse 1, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, regardez dans Jean, il y a plusieurs expressions, je suis. Il y a plusieurs, je suis le chemin, je suis la vie, je suis là, je suis. Il y a tout je. Mais vous voulez quoi encore là? Vous voulez quel Dieu encore là, mes amis là? Waouh! Qui comprend quelque chose ici là? Qui réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas saisies là? On ne pourrait pas finir ce programme ici sans mettre, sans révéler encore, sans parler de Yeshua. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi? Ben, on a commencé avec lui. Mais on finit avec lui. Mais il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Mais vous voulez qu'on fasse quoi là? On peut finir sur autre chose que sur Jésus. Et la fin ici, là, comme on finit avec Jésus, en fait, c'est un commencement, c'est aussi en même temps l'alpha. Pour autre chose. Alors, vous comprenez, on nous dit que les démons tremblent parce que Dieu est un. En fait, dans Isaïe 66, 5, il est dit que Dieu dit qu'il agrée ceux qui tremblent à sa parole, devant sa parole. Or, sa parole, c'est Dieu. Au commencement de la parole. Vous voyez? Donc, Yeshua est la parole. Son nom est la parole de Dieu, nous dit. Donc, si vous avez l'illumination sur Jésus, plus vous découvrez qui est Jésus, le chemin, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, tous ces aspects, plus vous découvrez qui est Jésus-Christ de Nazareth, plus vous aurez la puissance sur la maladie, la puissance sur le sida, sur les démons. Aucun démon ne pourra vous résister. Plus vous découvrez qui est Jésus, plus il se révèle à vous. Plus vos ennemis seront confondus. Hé, regarde, regarde, regarde. Vous êtes là? Bon, vous avez été fatigué? Oh. Hein? Hein? Oh. Regarde, 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 regarde. Regardez. Apocalypse 22, 6. Jesus. Qui est délivré de la Trinité ici? Wow. Qu'aucun sorcier ne vienne vous sortir de la révélation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 22, 6. Lisons-le à haute voix. 1, 2, 3. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes,
a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Qui a envoyé son ange? Non, non, d'après ce passage, restons dans la Bible. Qui a envoyé son ange? Le Seigneur Dieu. C'est écrit, on lit ce qui est écrit. Qui a envoyé son ange? C'est Dieu qui a envoyé son ange. On est d'accord avec ce qui est écrit, non? Ok. Apocalypse 22, verset 16. 1, 2, 3. Moi, Jésus. Oh! On acclame la parole de Dieu! Dans le même chapitre. Attends. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez qui c'est qui parle ici? Non, non, dans le verset 6, là, qui parle? C'est un ange qui parlait. Qui parlait à Jean. Hein? Il est en train de parler avec Jean. On est d'accord, hein? Et il dit à Jean, le Dieu des esprits des prophètes, le Seigneur Dieu des esprits des prophètes, parce que Jean était prophète, a envoyé son ange pour montrer ces choses à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. C'est un ange qui parlait. Il dit, c'est Dieu qui nous a envoyé, en gros, hein, qui m'a envoyé. Ensuite, Jésus-Christ lui-même intervient. Et il dit à Jean, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Oh! Donc les anges sont les anges de Jésus. Oh! Dieu a envoyé son ange et Jésus vient et dit, c'est moi qui ai envoyé mon ange. Et qui est Jésus? Et il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Ah ben alors? Vous cherchez quoi encore? Paul dit dans 1 Corinthiens 8, même s'il y a plusieurs êtres qu'on appelle Dieu, mais pour nous, nous, les chrétiens, nous qui sommes issus aussi, nous qui avons la foi d'Abraham, oh mes amis, nous qui avons la foi d'Abraham, il dit pour nous. Pour les autres, oui, mais pour nous. Pour les autres, ce qu'on comprend, ils sont pas éclairés, mais pour nous, Dieu est un. Voilà ce que Paul dit. Dieu est un. On va dire non, le nom de Dieu c'est Hachem. Qui t'a dit que c'est Hachem? Qui t'a dit? Internet vous trompe. Hein? Vous croyez que parce que vous allez voir sur Google, vous tapez Google Hachem, c'est la révélation? Vous n'avez rien compris. Allez chercher des révélations sur Google. Et vous allez enseigner sans l'onction, sans l'illumination. Vous allez égarer les gens à cause de l'orgueil. Vous n'avez jamais dirigé les gens. Vous prétendez des docteurs. Vous avez quel âge? Vous savez, en Israël, un docteur doit avoir de l'âge. Hein? Le doctorat en Israël, ça allait avec l'âge. C'est pas les enfants n'étaient pas docteurs. Hein? C'est pour cela que Jésus-Christ, à 12 ans, était au milieu des docteurs. C'est au milieu des vieillards. Vous avez 20 ans, vous pensez que vous êtes docteur? Vous n'avez même pas 10 ans de mariage, vous êtes docteur? Vous voulez enseigner les gens. Prêcher, oui, mais enseigner, c'est pas tout le monde. Hein. Il faut de l'âge, il faut un peu de cheveux blancs. Là, parce qu'il y a l'expérience. L'enseignement, c'est aussi l'expérience. C'est important. C'est pour cela que Jésus n'a pas commencé à enseigner avant 30 ans. Il a attendu 30 ans. C'est important. Vous avez moins de 30 ans, vous avez déjà beaucoup de versets dans la tête, là, tout ça, là, vous commencez à vouloir. Ah, l'orgueil, là, ça tue les gens. Hein? C'est important. Vous savez, quand Moïse devait nommer les anciens, là, on a dit des vieillards. Hein? C'est les 24 vieillards, c'est les vieillards, c'est le mot là, c'est vraiment vieillard. Des gens qui ont les cheveux blancs. Ben oui. Évitez là, un genou qui va arriver comme ça avec sa grosse Bible pour dire, je vais vous enseigner. Pour vous dire, non, Dieu est trois. En fait, ce que Chora dit, c'est faux. Et là, voilà, moi je connais. Voilà, quand on vous confie la gestion d'une église, là, vous commencez à devenir des bishops. Je vous dis, vous manquez du respect aux vieillards. Vous voyez un papa qui arrive à un monsieur qui peut être votre grand-père. Comment vas-tu, Jacques? Comment vas-tu, Jacques? Ça va, mon frère? J'ai une révélation pour toi. Vous voyez comment les gens meurent? Moi, on m'a enseigné à respecter les vieillards. C'est important. Aujourd'hui, avec la technologie, avec... Je ne sais même pas pourquoi je parle, il y a une raison. Aujourd'hui, avec la technologie, tout ça, Google, vous remplissez le crâne avec HM, vous remplissez le crâne avec Adonai, tout ça, vous dites Adonai. Vous savez ce que c'est Adonai? Vous pensez que moi, mes illuminations, là, je vais les chercher sur Internet? Je n'avais rien compris, là, les amis. Là. Quand tu étais encore biberon, là, j'enseignais la parole. C'est important que chacun soit à sa place. Venez, on va vous, avec un tableau, on va vous enseigner la parole. Ce n'est pas de l'orgueil.
Aujourd'hui, tout le monde, comparaison de Bible, tout ça. Martin dit ça, le grec dit ça, l'hébreu dit ça. Ah bon? Viens. Cette génération est tellement corrompue. Ils ne savent même pas que Dieu a appelé aussi les gens. Que la connaissance, là, c'est d'abord spirituel. C'est la relation que Dieu a avec toi parce qu'il t'a nommé, parce qu'il t'a choisi. Ah oui. Tout le monde, il y a beaucoup d'enseignants dans les jeux. Je sais, dans les coulisses, je sais, avec le programme qui prend fin ici, là, vous allez voir beaucoup d'enseignants qui vont débarquer chez vous. Je viens vous enseigner à la cellule de maison. Prenez le tableau. Tant, 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 tant. Ah bon? Oh, que Dieu nous aide. Je vais vous dire une chose. Pour arriver à ce peu d'enseignement que Dieu me donne, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vous dis. On a tâtonné un peu. On tâtonne. Vous croyez quoi? Hein? Demandez à ma famille, la frère. J'ai commencé à diriger les gens à l'âge de 17 ans. Même bien avant. Les enseignants, le ministère d'enseignants dans Éphésiens 4, là, je veux insister là-dessus. Le ministère d'enseignants, vous savez ce que c'est? C'est didaskalos. Didaskalos, kalos, c'est, veut dire maître. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 4, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, c'est didaskalos. C'est ce qu'on a, ce mot-là signifie d'abord professeur. Vous pensez qu'un enfant de 15 ans peut être professeur de lycée, là? Professeur à la fac? Ah ben non, il y a de l'âge, mais il faut l'âge. Regardez les professeurs là, dans les hôpitaux là. C'est souvent des personnes d'un certain âge. Hein, quand on dit professeur, vous ne verrez pas un professeur de 25 ans. Hein? Ah non! Le mot professeur là, ça vient de didaskalos, c'est maître. Quand on appelle Jésus maître là, c'est didaskalos. C'est professeur, maître. Voilà pourquoi Nicodème n'était pas en genou. Timothée, il était jeune, mais il n'était pas un maître. Il devait écouter les enseignements du maître. C'était Paul. Ben oui. Paul était un vieillard et Timothée écoutait l'enseignement et Paul lui donnait des lettres pour aller distribuer là-bas. Timothée n'était pas le porteur. Il était seulement comme un coursier. Comment on appelle ça les gens qui disent les... Un facteur. Timothée était un facteur, comme il y a beaucoup de facteurs. Les gens ont reçu un peu d'onction, ils ont cru que c'était déjà des maîtres. Ils ont oublié que c'était des facteurs. Dieu est passé par moi pour les envoyer comme des facteurs. Pour distribuer des courriers. Ils ont cru que c'était à eux. Ils se sont arrêtés. Maintenant, il n'y a pas la connexion avec la source. Ça s'est arrêté. C'est fini. Tu cries, marche, personne ne marche. Vois, personne ne voit. Recevez, personne ne reçoit. Venez chez moi, personne n'y va. Mais pourtant, ici, Dieu leur dit, allez là-bas. Là. Ah, c'est ça l'évangile. Tiens, toi, c'est ça l'évangile. C'est comme une jeune fille de 18 ans. Qui n'a jamais enfanté, qui commence à donner des conseils à sa mère, qui a beaucoup donné naissance, qui a de l'âge. Maman, écoute, je vais te donner des enseignements. Ah bon? Ta maman qui a vécu avant toi, qui t'a porté, qui t'a vu faire caca, pipi. Maman, biberon, maman. Maintenant, tu penses que c'est à toi de donner un biberon à ta mère. Hein? Parce que tu as la forme d'une femme, parce que tu connais maintenant le sexe, et tu penses que ta mère ne peut plus te parler quand elle te parle. Non, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Nous sommes en France, nous sommes libres. Charnelle, orgueilleuse, hein, impudique. Alléluia! Tiens, ton voisin, il faut qu'il parle, ce monsieur. Quand tu étais bébé, là, ton père te prenait dans les bras, tu faisais pipi sur ton père. Quand tu commences à avoir un peu de moustache comme ton père et que tu utilises la même tondeuse que lui, tu penses que tu es arrivé. Maman, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Je suis majeur. Qui t'a dit que tu es majeur? La loi française ou Dieu? Dans la loi de Dieu, tu es toujours enfant de ton père, toujours enfant de ta mère, fille de ta mère, fils de ton père, tu resteras jusqu'à ta mort. Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ, 10 000 mètres comme beaucoup là, c'est mon daddy maintenant, mon daddy, un menteur, mon daddy là, tout ça. Quand qui t'a baptisé là, ton ancien, qui t'a enseigné, tu étais au pied de qui là? Paul était au pied de Gamaliel. Il n'a pas honte de dire, hein, j'étais au pied de Gamaliel. Même si Gamaliel était dans la religion, mais Paul le reconnaît. Il dit, j'étais à ses pieds. Mais aujourd'hui, là, il dit, non, non,
Non, non, tu zappes 12 ans de ta vie, tu dis non, je suis sorti de Dieu, tu descends du ciel. Tu penses que les gens ne te connaissent pas. Hmm? Aujourd'hui, on va tout bien donner là, tout ça. Là. Amen. Vous savez, c'est le package à chaque fois ici. Hein? Hmm? Faut bien clôturer les choses. Tout ça. Là. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle encore? Amen. J'avais du respect pour mon père. Pour ma mère. J'étais à leurs pieds pour écouter les conseils. Quand ma maman m'appelait, tout ça là, bien que étant prédicateur, tout ça, maman, tout ça, ok, d'accord, quelque chose, ok, il fallait expliquer certaines choses, ok, ok. Respectueux. Pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, vous prêchez la parole. Oh, ton père, ta mère t'a blessé. Il m'a blessé. C'est écrit, enfant, n'irritez pas les enfants. Ah bon? C'est écrit, mais attends, ton père, est-ce ton père? Quand tu étais malade, qui t'a porté? Quand tu étais malade, qui a appelé le médecin? Qui t'a amené dans les hôpitaux? Qui se tracassait pour toi? Quand il fallait te nourrir, tu criais parce que tu avais faim. Et que tu ne voulais pas manger le pot de banane, tu voulais le pot de pomme. Qui s'est tracassé pour aller dans ce supermarché? Hein, pour aller prendre le pot de pomme parce que ton palais aime la pomme. Hein? Maintenant que tu as des seins comme ta mère, tu as une poitrine, tu peux emprunter le soutien-gorge de ta mère, tu penses que tu es une femme, que tu es arrivée. Je vais vous parler aujourd'hui. Hein? Alléluia! Alléluia! Parce qu'aujourd'hui, tu peux mettre des talons comme ta mère, hein? Tu commences avec des talons tout seul à compenser, tu penses que hein, tu peux maintenant rivaliser avec ta mère. Quand elle te dit tu ne sors pas, mais j'ai l'âge, tout ça parce que tu as le feu, toi, le sexe t'attire. Hein? Le pasteur de ton église n'est pas ton père biologique. Tu dois d'abord honorer ton père biologique avant d'honorer les pasteurs. Tu dois commencer par la maison. Alléluia. Le retour à la parole. Amen. On vous a présenté le vrai Dieu. Maintenant, le retour à cette parole. Amen. Tu te maries, ton père n'est pas satisfait, ta mère n'est pas satisfait. Tu penses que tu vas être béni? Enfant, obéissez à vos... Non, 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 non. Oui, aux parents, oui. Mais c'est la traduction, la vraie traduction, obéissez à vos pères et à vos mères. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit parents, ça va être deux hommes maintenant. Là, ou deux femmes. Alléluia! On revient à la parole, frères et sœurs. C'est pour ça que dans la BJC, c'est comme ça, comme dans la Martin. Obéissez à vos pères et à vos mères. Ah ouais, deux hommes ne donnent pas un enfant. Hein? Mm-hmm. Deux femmes non plus. Voilà. Frères et sœurs, obéissez à vos pères, vos mères, à vos pères, à vos mères, afin que... Hein? Afin que... Hein? Attendez. Dans nos Bibles, c'est écrit afin que vous soyez heureux. C'est ça, non? En fait, c'est pas ça. Afin que tout aille bien pour vous. Vous savez pourquoi beaucoup de choses ne vont pas bien dans vos vies? Parce que vos parents n'ont pas été honorés. On vous a prêché à vous détacher de vos parents. C'est des sectes. Oh, mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Ben oui, mais si ta mère est sorcière, qui doit la sauver? Au contraire, si ton père est sorcier, va encore le voir. Tu as peur de quoi? Quand tu n'étais pas chrétien, il ne t'a pas mangé. Maintenant que tu es converti, tu as peur de quoi? Secte. On acclame la parole de Dieu, frères et sœurs. Au contraire, va voir ta mère encore. Mange avec elle, prie avec elle, parle avec elle. Jeûne pour elle. Ta présence chez elle peut la sauver. Si elle est sorcière.
Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères afin que tout aille bien pour vous. Afin que, n'est-ce pas, vos jours soient prolongés. Hein? Donc, parce qu'il y a une promesse. Voilà le retour à la parole. Moi, je vois des jeunes qui viennent, frère Chora, ah, forme-nous. Forme-moi. Je dis, ok, pas de problème. On va vous former. Tu apprends les mêmes personnes qui veulent se former dans les coulisses, ça dit autre chose. Ils n'ont pas le courage de venir poser des questions. Tu apprends que ça crée des sectes là-bas. Tu apprends que ça revient sur la dîme qu'ils ont dénoncée. Et ça dit maintenant, la dîme et les offrandes sont la clé du succès. Ah bon? Ils n'ont rien compris au monde. Avec Dieu, c'est écrit, nous ferons des exploits. Voilà le message. Ce n'est pas avec la dîme et les offrandes. Bill Gates a quel succès? Dans le monde, oui. Mais le vrai succès, c'est la sanctification. Donc, mes frères, attention. La responsabilité que vous avez dans vos églises, je parle aux dirigeants aussi, là. La responsabilité que vous avez dans vos, au sein de vos églises ne vous donne aucun droit de manquer du respect aux aînés. Au contraire, ça doit davantage vous amener à l'humilité. On dit amen, mais on vit autre chose. On vit autre chose. La femme à qui tu manques du respect, tu sais qu'elle s'est convertie avant toi? Tu sais qu'elle peut être ta grande soeur de loin? Mais tu lui parles parce que tu portes le titre de prédicateur. Tu n'as rien compris. Quand je vois quelqu'un plus âgé que moi, un aîné, si je suis assis, je me lève, je lui laisse la place. Je monte dans le train, tout ça là, dans Paris, métro, tout ça. S'il y a une personne âgée à mes côtés, debout, je me lève, je laisse ma place. Mais vous voyez des prédicateurs là? Ils ont le feu dans leurs assemblées. Dans le métro, dans les trains, ils sont assis. Les gens âgés sont femmes enceintes à côté, ils ne se lèvent pas. Ils sont prédicateurs de quoi? Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. C'est l'orgueil des charnels. On dit, frère, tu veux te former? Ok, viens, je te donne le micro pour témoigner. Je te teste. Quand je... Mais toi, tu ne le sais pas. Je te passe le micro. Vas-y, va témoigner. Témoigne. Ça parle une heure, deux heures. Je dis, celui-là, là, il n'est pas prêt. Si tu l'envoies à mission, il meurt. Faites attention. Vous savez, Dieu m'a donné la grâce pour former les gens. Et je suis très observateur. Je regarde, les petites choses, là, ça révèle l'état des cœurs. Tu prends le micro. Ouh! Il aime le micro comme le maïs. Vous savez le maïs quand on le mange là. On ne veut pas le lâcher, hein? D'accord. Jusqu'à la dernière graine. Et quand ça jette le reste là, c'est le qu'il n'y a plus rien dessus. C'est quand ça te rend le micro, les gens sont déjà tous endormis. Il faut une nouvelle onction pour les réveiller. Il prend le micro, il casse toute l'onction. Toute l'onction. Il y a des gens, mais vrai ou faux? Mais quand c'est comme ça, il y a des gens qui me regardent. Ils sont tellement blasés, dégoûtés qu'ils se disent, mais comment il va réagir le frère là? Il regarde. Des genoux qui viennent. Ah, Chora, comment vas-tu? Attends, mon coco là, je peux être ton père là, attention. Il ne faut pas comprendre que parce qu'on se rase là, on est. Hein, doucement là. On commence à avoir un peu de l'âge là. Ah ouais? Moi je ne peux pas aller voir mon frère pour dire, ah comment? Non, c'est mon aîné. Il y a le respect. Et je suis étonné même qu'il soit debout, il y a des jeunes assis. Je suis étonné. Vous pensez que c'est respectueux? Ben non. Il n'y a pas un jeune assis qui peut lui laisser la place, là, honnêtement. C'est pas. Ah, tu as laissé la place. Eh ben, gloire à Dieu. Autant pour moi. Mais il y a d'autres papas, des aînés qui sont debout. Alléluia. Papa, n'a une place. Ah, tu as laissé la place. Ah, ben gloire à Dieu. Ben, en tout cas, vous avez la forme. Hein. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Ben, magnifique. Le Seigneur est bon. Il n'y a pas une personne âgée là qui aimerait s'asseoir là? Il y a une personne âgée. Viens, il y a une place pour toi. Merci. Merci mon frère. Alléluia! Amen.
Qui est encouragé? Qui est le vrai Dieu? Jésus. Le vrai Seigneur? Jésus. Maintenant, vous avez reçu la parole pendant 2 ans et demi. On risque encore de vous voir dans les programmes de Benny Hinn. Je vous dis. Voilà, cette tête-là, quand on va vous vendre des pins à 500 euros, vous risquez de courir devant pour aller acheter 500 euros le pins. Qui c'est qui avait acheté ce pins à 500 euros? Qui l'avait acheté? Non, là c'est pour l'eau. Faudrait amener le moi un peu cette colombe là. On va le jeter dans le feu. Ce pin c'est dans le feu. Au nom de Yeshua. Qui croit que c'est le début d'une nouvelle saison? Amen. Gloire à Dieu. Donc la jeunesse, plus de respect vis-à-vis des aînés. Nous sommes d'accord? Amen. On est d'accord, hein? Ok. Il y a assez d'eau pour tout le monde là-bas? Ah, ils ont prévu de l'eau aujourd'hui. Comme c'est le dernier jour. On donne d'abord aux femmes. Quand on est chrétien, on respecte d'abord, à part le Seigneur, les femmes. Amen. C'est biblique. Dis à ton voisin, c'est biblique. Posez-moi la question, pourquoi? Non, je n'ai pas entendu. Parce que c'est notre aide. Hein? Si ton aide n'est pas en bon état, tu ne seras pas aidé. Donc il faut que la femme soit en bon état pour pouvoir t'aider. Voilà. À moins qu'il y ait un homme qui soit vraiment malade, qui... Ça, oui. L'enseignement sur la divinité de Yeshua, on va couper juste à l'endroit où je me suis arrêté. Pour pas que j'oublie Eric. Et voilà. Le reste, on va diffuser ça autrement. Merci en tout cas aux diacres et aux diaconesses de l'Assemblée d'Evry qui nous ont beaucoup soutenus pendant tout ce temps dans l'achat de bouteilles d'eau et dans le nettoyage. En tout cas, que Dieu se souvienne de vous. Il est violent, frère, il n'y a pas de souci. Non, mais tu peux boire, il n'y a pas de problème. Amen. Dieu est bon. Tiens, merci. Alléluia. Donc, ne me posez pas la question à savoir dans quelle église allons-nous prier. Ouvrez vos maisons si Dieu vous met à cœur. Alléluia. Donc, vous connaissez les frères et sœurs. Partagez la parole entre vous. Et voilà, donc... Je voudrais dire aussi un grand merci à tous les anciens qui m'ont soutenu, à tous les pasteurs qui m'ont soutenu et qui, bien qu'ayant des charges de responsabilité au sein de leurs assemblées, mais qui se sont dit non, nous voulons être là pour encourager, participer, pour encourager le frère. Et je suis particulièrement encouragé par ce geste. Je tenais vraiment à vous dire merci. Et aussi merci aux assemblées. Bien qu'étant autonome, ont participé financièrement pour l'achat des locaux du 24 heures. Il y a au moins 4 assemblées qui ont participé à la hauteur de 1000 euros. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Et qui ont participé également pour la révision de la Bible, la révision. Et il y en a d'autres en Belgique aussi, notamment à Mons. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Merci également à mon frère Loïc qui a, bien que tant chargé, avec Clint, tout ça, qui ont participé pendant des années, des mois et des mois à ce programme pour nous soutenir. Et les sœurs, les PVC, tout ça, qui nous ont encouragés. Nos sœurs qu'on a vues, qu'on voit grandir.
Et je tenais aussi à vous dire, vous les PV7, que le Seigneur soit béni. Ce n'est pas toujours évident, mais je vois votre amour pour le Seigneur. Vous êtes jeune fille, belle. Vous aurez pu aller avec des hommes, comme beaucoup de filles le font. Mais vous avez continué, vous avez écouté les conseils des parents. Continuez à le faire jusqu'à la fin de vos études, jusqu'au retour de Yeshua. Obéissez toujours à vos parents. Si des hommes viennent vous voir, s'il vous plaît, allez consulter papa et maman. Vous avez des parents, vous avez la grâce d'avoir des parents qui prient. Écoutez leurs conseils et ils sont bien placés pour vous aider. Et j'ai vu comment, malgré les études que vous faites, vous êtes toujours là pour nous soutenir, pour nous encourager, même pour la correction des choses. Et le Seigneur vous le rendra au centuple. Donc, c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle aventure qui commence avec le Seigneur. Et que chacun se laisse vraiment guider. Ne condamnez pas les frères et sœurs. Ne condamnez personne. Même si vous ne voyez pas les gens dans vos assemblées, croyez qu'ils sont avec le Seigneur. Et encouragez-les. N'allez pas dire aux gens, mais vous allez dans quelle assemblée, tout ça, c'est pas normal. Laissez les gens avec le Seigneur. Si Dieu leur dit d'aller prier dans l'assemblée où vous êtes, qu'ils le fassent dans la liberté. D'accord? S'il vous plaît. Je compte vraiment sur vous. Qu'on démarre une nouvelle histoire avec le Seigneur. D'accord? C'est vraiment important. Les frères et sœurs d'Evry, du Bourget, de Sarcelles, de Danières, de Créteil, et Ris-Orangis, et ici et là, nous ont beaucoup encouragés, vu des gens qui sont venus plusieurs fois de Troyes. Hein, qui sont encore là, qui soutiennent, qui nous ont encouragés, des gens qui sont venus de Tours, des gens qui viennent de Nantes. Nous voulons vraiment recevoir encore les frères et sœurs de Nantes. Levez-vous s'il vous plaît. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour vous, bénir le Seigneur pour vous. J'ai vu mon frère, alléluia, Angelino que j'ai vu, et mon frère Maurice. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes encouragés par votre amour pour la vérité, Angelino. Et voilà, vous qui êtes de Nantes, merci. Et le Seigneur est fidèle. Je voudrais vraiment le dire et vous encourager publiquement. Il y a de belles choses qui vont se faire dans la région de Nantes. Et ça va vous dépasser. Soyez davantage dans l'unité. Le Seigneur va vraiment vous surprendre. Donc votre position pour la vérité, non pour les hommes, mais pour la vérité, m'a personnellement encouragé. Parce que je me suis dit, malgré le combat, les combats, parce qu'il y en a eu plusieurs, que je mène contre la religion, contre ceux qui veulent maintenir les gens dans la captivité, j'ai vu et je vois que dans ces églises, il y a quand même des enfants de Dieu qui aiment la vérité et qui ont pris position pour la parole, pour la vérité. Je voudrais dire aussi, Et aux pasteurs, aux prédicateurs que j'ai eu à former par la grâce de Dieu depuis des années. Et il y en a qui ont commis des erreurs, comme nous autres. Je voudrais vous dire que c'est une chose de commettre une erreur, de tomber. Ça n'est une autre, n'est-ce pas? De rester dedans. Quand on fait des erreurs, il faut savoir se dire, bon, on va avancer, on se relève, on avance. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à rejeter, n'est-ce pas, les gens, pas du tout. Je voudrais dire de manière globale, même à ceux qui sont au loin. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, mais pourquoi ils ne reçoivent pas telle personne? Frère, si vous me voyez prendre une décision, si vous avez confiance en moi, vous qui êtes là depuis des années, qui croyez que Dieu marche avec moi, avec vous aussi, faites-moi un tout petit peu confiance. Dites-vous que nous savons quand même comment le Seigneur conduit ses frères depuis des années. Nous croyons que, d'abord c'est biblique, parfois quand on ne veut pas recevoir quelqu'un, Jean le dit, quelqu'un qui va plus loin que la doctrine, il ne faut même pas lui dire salut. Vous voyez? Donc je veux rester biblique. Il y a des raisons que je ne veux pas forcément vous partager. Mais croyez, le combat que nous menons, c'est pour vous, pour vos enfants, pour ne pas que vos enfants soient dépouillés ici et là. Donc je voudrais vraiment dire aux prédicateurs,
Quand vous me voyez, quand vous m'avez entendu depuis des mois et des mois ici, lors de ce programme de réveil, dire que je suis seul, que je marche seul, que je suis seul, je n'ai personne autour de moi qui m'entoure, qui me contrôle, ce n'est pas parce que je rejette les gens que je ne veux pas collaborer avec des frères et sœurs. Nous collaborons avec des frères et sœurs. Vous avez pu constater que sur TV de Vie, nous avons mis un slide, une annonce que nous ne recommandons aucune église, aucun pasteur. Vous savez pourquoi? Je veux vraiment vous dire clairement les choses. Parce que pendant des années, j'ai eu à collaborer avec des gens qui se sont rendus compte que Dieu nous a fait une grâce. Cette onction qu'il nous a accordée et ce message attire des foules de toutes sortes. Par exemple là, pour votre information, nous avons des enfants des présidents, de certains présidents africains qui sont là, discrètement, et qui ne veulent pas se faire connaître, qui viennent. Et ils sont choqués, ils sont étonnés de voir que je ne leur demande pas leur argent. Mon frère Julien, qui le connaît aussi, peut le constater, peut. Jamais, jamais, jamais. Parce que jamais, c'est ce qui le choque. Et ces gens qui ont collaboré avec moi ont vu que cette onction attire toutes ces personnes. Le frère qui a témoigné, il est agent de football et il y a des footballeurs professionnels qui sont touchés et à qui on peut demander beaucoup d'argent et ils vont le donner et ils sont choqués parce qu'ils voient qu'on ne demande pas. Et je vous assure, parfois je suis là, je peux manquer de l'essence. Je peux être sur le rouge dans ma voiture, mais je ne veux pas forcément le dire ici et là. Et Dieu me soutient, pas de problème. Mais je voudrais vous ouvrir mon cœur parce que le dernier jour, pour que vous compreniez à qui vous avez aussi affaire. Pour que demain vous puissiez dire non, non, arrêtez de raconter des histoires. Dieu nous a parlé et on parle avec cet homme. Donc sachant que cette onction attire toute cette foule, il y en a qui faisaient semblant d'être dans ce message, de prêcher ce message, mais derrière, ils prenaient l'argent des gens. Donc du coup, les frères et sœurs qui étaient victimes de ces choses commencèrent à dire, Chora, s'il collabore avec ces gens, c'est qu'il est comme eux. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a dit, détache-toi totalement de tout ce monde. Maintenant, vous avez des frères et sœurs qui sont là, des prédicateurs, des pasteurs que vous connaissez parce que vous les approchez, qui aiment la vérité, qui prêchent ce message. C'est à vous de voir avec qui collaborer, avec qui prier, de voir cela avec le Seigneur. Amen. Et moi, mon rôle, la vision que Dieu me donne, c'est de vous amener à Dieu avec cette parole, de vous laisser devant le trône de Dieu. Et ce n'est pas à moi de vous recommander qui que ce soit. C'est à Dieu, le Dieu que vous adorez parce que vous êtes en relation avec lui, c'est à lui de vous dire avec qui prier. D'accord? Parce que si je vous envoie dans une assemblée locale et que là-bas vous êtes dépouillé, vous êtes blessé par exemple, vous direz que le frère Chora m'a induit en erreur. Et je ne veux pas que Dieu me réclame votre sang. Vous comprenez un peu ma position? Donc, je voudrais, pendant tout le temps que Dieu me donnera pour achever ma course, je voudrais encourager les femmes et les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, quel que soit leur appel, ceux qui veulent me voir, non pour m'idolâtrer, parce que je ne veux pas d'idolâtrie, pour poser des questions, pour avoir quelques conseils par rapport à ma petite expérience. Croyez-moi, je ne veux pas être inaccessible. Je veux rester toujours accessible aux frères et sœurs, être à votre service, comme les frères et sœurs qui travaillent avec nous dans cette vision que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire le lundi et le mardi, on va continuer à recevoir les frères et sœurs pour les entretiens, pour partager, pas des gens qui veulent, j'insiste, se focaliser sur nous, mais des gens qui veulent vraiment des conseils par rapport à leur appel, par rapport à la parole. Ceux et celles qui veulent se former au niveau de la parole, comme le frère est venu de loin, il disait que j'allais le former. Il est venu sur place, tu as vu toute cette foule. Si je dois prendre une personne à chaque fois à part pour la former, avec tous ces gens qui viennent du monde entier, je mourrai avant. Et merci pour ta compréhension. Donc vous avez des frères et sœurs qui sont là, qui enseignent à Didasco. Il y aura, au niveau de Didasco, notre centre de formation, d'autres personnes, des femmes qui viendront pour enseigner les femmes, pour partager leur expérience, comme Paul dit que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Donc il y aura d'autres femmes qui vont être sélectionnées pour apporter des enseignements. Et toutes les informations seront sur TV de vie, TV Radio de vie, les programmes de Didasco, de session. Donc il y aura, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des femmes qui sont parmi nous ici qui ont de l'expérience. On verra avec elles comment Dieu va les aider pour
pour pouvoir apporter ces enseignements. Et le centre est toujours là pour former les gens gratuitement. Donc lundi et mardi, quand Dieu permettra, on pourra, comment dire, dans les entretiens, partager, recevoir des frères et sœurs, même ceux qui veulent venir de loin pour nous rencontrer, pour partager, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on a des émissions lundi, mardi soir, mercredi, et on verra même pendant toute la semaine, on verra comment Dieu va nous conduire. Ce n'est pas une église. Ensuite, n'allez pas, quand vous partagez la parole dehors, n'allez pas dire que le frère Chora a dit, ou Yann a dit, ou Ludovic a dit, ou tel a dit. Non, dites la parole dit. Si les gens veulent vous ramener à nous, dites mais non. La sanctification, ce n'est pas Chora qui a commencé à en parler. C'est dans la Bible. D'accord? La Trinité, le fait que Jésus-Christ soit Dieu lui-même, le Tout-Puissant, ce n'est pas Chora qui a commencé à parler, c'est la Bible qui le dit. Donc ne vous laissez pas entraîner vers des débats stériles. D'accord? Donc, s'il vous plaît, restez focalisés sur la parole. Amenez les gens à la parole. N'allez pas nous défendre charnellement. Dieu nous a toujours défendus. D'accord? Voilà. S'il vous plaît. N'allez pas dire le Dieu de Chora. Ce n'est pas ce que je vous ai enseigné. C'est Jésus-Christ. Donc, c'est ton Dieu et notre Dieu. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, ça suffit largement. D'accord? Voilà ce qu'on vous a enseigné. N'allez pas dire, Chora a dit. Non, la Bible dit. Dieu a dit. Et si vous avez des songes où vous me voyez, où vous voyez d'autres frères et sœurs, comme moi je peux avoir des songes où je vois des frères qui viennent me parler, Dieu se sert parfois de nous, de nos visages, tout ça là. Voilà, c'est Dieu lui-même, donc il fait ce qu'il veut. Donc ce n'est pas nous, c'est Dieu qui vous parle. D'accord? Et donc c'est important de préciser toutes ces choses. Nous avons des frères et sœurs en province avec lesquels nous collaborons, nous partageons les choses, la même vision. Et on les encourage à faire l'œuvre du Seigneur, à ouvrir leur maison, à partager la parole. Et ceux qui veulent nous voir, nous avoir pour dans leur ville, vous pouvez nous envoyer des mails et nous allons prier pour cela. Et ce que Dieu nous dira, ben, on va tourner. Il y aura tous les programmes à chaque fois sur TV de vie par rapport aux différentes missions qu'on aura à effectuer ici et là. Des gens qui ont des maladies incurables, qui veulent vraiment la prière, le soutien pour la prière, comme je vous ai dit. Donc, il y a toutes les informations sur TV de vie, comme je vous ai dit. Lundi, vous pouvez venir avec la personne malade, un lundi soir, lors des émissions. Et si on peut, on priera pour la personne, il n'y a pas de problème. Nous croyons que Dieu nous a donné ce service de la guérison divine. Et nous voulons vraiment le mettre à votre service et gratuitement. Gratuitement. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos prières. Vous-même êtes témoin de tous nos combats. Nous avons besoin de vos prières. Le fait de vous voir aussi mobilisé. J'ai vu des visages, des frères et sœurs là. Je me suis dit, waouh, celui-là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu celui-là. Ça nous encourage à continuer. Parce que parfois, je suis là, je me dis, est-ce que si j'arrête, beaucoup risquent d'être troublés. Donc, Seigneur, jusqu'au bout, nous voulons tenir. Par rapport au 19, nous avions commandé 10 000 Bibles. L'imprimeur va nous livrer jeudi prochain 10 300 Bibles. Donc, ils nous font cadeau de 300 Bibles. Magnifique. Et le 19 décembre, si Dieu le permet, donc je pense qu'il a déjà permis, je veux vous partager en long et en large la nouvelle vision qu'il m'a donnée, qu'il nous a donnée. Anciens prédicateurs, respectez les frères et sœurs dans vos assemblées. Laissez les gens répondre à leur appel. Si vous avez des jeunes, par exemple, des moins jeunes qui vous disent « Dieu nous a mis à cœur d'aller dehors », laissez-les. Laissez-les. Si vous apprenez que des jeunes étaient ici et là, des gens étaient ici et là pour faire leur programme, ne leur demandez pas pourquoi vous ne nous avez pas avertis. Laissez. Donnez des conseils, mais laissez. Dans la sagesse, d'accord? Et ça va vraiment permettre au vent de l'esprit de couler, à l'onction de couler davantage. Notre vision, c'est vraiment de voir le Seigneur élevé, glorifié
dans toute la France, dans toute l'Europe et dans les nations. Et j'ai vu votre fidélité, j'ai vu combien vous avez soutenu le travail aussi financièrement. Combien de frères et sœurs soutiennent depuis chez eux, des Antilles, Afrique, États-Unis, Amérique, Asie. Et on est tellement encouragés. Parfois on est là, les mots nous manquent. On a vu en 2 ans, on a vu des enfants grandir. Hein? Certains enfants, waouh! Mais elle n'était pas comme ça quand elle a commencé le réveil. Mais elle n'était pas. Ah ben gloire à Dieu, c'est magnifique. Ça va, Nostali? Tu vas bien? Waouh! Les frères et sœurs qui veulent qu'on aille dans leur pays, vous pouvez aussi venir nous voir soit lundi soir, soit mardi soir, pour nous partager ce que Dieu vous met à cœur. Et on va prier ensemble, si Dieu permet, c'est comme ça qu'on va organiser les missions. D'accord? N'hésitez pas. Le 19, il y a des gens qui viendront du monde entier. D'autres arrivent. Du Canada, il y a tout un groupe de gens qui arrivent. États-Unis, pareil. Afrique, pareil. On a 3 personnes qui viennent de la RDC. Kaliba et son mari Eric. Et un autre frère Déo du groupe Les Trompettes. Le pianiste et le chanteur en même temps. Qui sera là. Et je crois que vous allez, vous qui chantez aussi, grâce, vous allez aussi expérimenter des belles choses avec. Profitez-en pour avoir le temps de, voilà, de partage, de prière. Et de la Côte d'Ivoire, j'ai eu une femme de Dieu en Côte d'Ivoire qui est presque ministre pour votre information. Je ne dirai pas son nom. Elle est avec nous dans le message depuis des années. Une femme discrète qui va certainement être épousée par le futur président de la Centrafrique. Que j'ai reçu dans mon bureau un monsieur discret qui est catholique, mais touché, qui commence à être touché par le message. Et il y a des choses terribles qui se présentent. Et cette sœur, femme de Dieu, arrive de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi notre frère Yann de la Côte d'Ivoire avec sa femme qui viennent. C'est un jeune qui aime le Seigneur, qui est fougueux. Et je crois que leur passage aussi va beaucoup nous encourager. Et on va être... Vous avez pu voir vous-même comment nous sommes débordés. Je crois que le 19, il y en a qui vont arriver la veille. Je vous avais demandé, je vous avais proposé d'amener des drapeaux de vos pays, mais une sœur m'a appelé et m'a envoyé un mail, pardon. N'hésitez pas à nous faire des propositions. N'ayez pas peur de le faire. Nous sommes à la disposition de frères et sœurs. Nous n'avons pas toute la connaissance. Nous pouvons recevoir aussi de vous. Elle m'a proposé autre chose. Et alors c'est mieux. Nous avons, j'ai reçu un mail. C'est mieux de faire autre chose. En fait, je vais vous dire ce que c'est. J'ai reçu un mail ce matin. On m'a envoyé un mail pour avec une pièce jointe. C'est la photo d'un t-shirt que les frères et sœurs du Sud ont fait. Et ils vont le porter. Donc chacun aura son t-shirt. Il y a beaucoup de gens du Sud qui vont arriver. Et de la France, Marseille, Montpellier, tout ça. Donc, soit vous allez vous faire, ce n'est pas une obligation. Parce que nous voulons vraiment ce jour-là élever Jésus-Christ. Soit vous pouvez avoir des t-shirts dessus, c'est écrit Jésus-Christ. D'accord? Il a plusieurs noms. Hein? Le chemin, la vérité, le lion, peu importe ce qu'il va vous inspirer. Ou soit des bannières, des drapeaux, mais avec le nom de Jésus-Christ dessus. D'accord? Voilà. Donc, tu l'as déjà fait? Ah ben, gloire à Dieu.
Eh bien, chacun, ceux qui peuvent, hein, vous allez venir avec. Et nous allons, pendant toute la nuit, adorer, louer, partager, échanger, écouter les témoignages, écouter les chants. Et voilà. Donc, c'est mieux comme ça, non? Il y a des gens qui vont venir de la Chine. Un frère était venu un jour au bureau. On a prié. Dieu m'a dit qu'il allait être nommé ministre. Il a été nommé ministre. Amen. Et il me dit, prie pour moi parce que je suis retenu par rapport à mon service. Je veux venir au 19. Ministre conseiller. Et il sera certainement, il est connecté. Et certainement, et il va venir. Une petite fille du président d'un pays, écoutez bien, qui vient suivre les enseignements. Son mari m'appelle, ils étaient presque vraiment abattus. Son père, un grand général, vice-président, a fait enlever ses deux enfants. Pourquoi? Parce que cette sœur vient suivre les enseignements ici. Et cet homme dit, c'est une secte, ne va pas là-bas. Parce que ces gris-gris sont menacés. Voilà. Et Dieu m'a appelé, je leur ai dit, nous sommes en jeûne et prière par rapport au programme du 19. Rentrons en jeûne et prière. On a prié, on prie. Quelques jours après, deux ou trois jours après, donc je suis avec eux au téléphone, ils m'ont rappelé. Le président dit à son enfant, donc le père de cette sœur, tu vas rendre ces enfants-là. Je ne veux pas d'histoire. Donc aujourd'hui, cette sœur va voir son grand-père, donc le président, pour annoncer l'évangile, pour exposer sa situation. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est magnifique ce que tu fais. Le président lui dit, j'atterris à telle heure, prends l'avion, d'où tu es, viens me voir. On va partager. Tout le pays est presque secoué par cette situation. Frère, il y a des bonnes choses qui se pointent. Je voudrais te dire ceci. Ne laisse personne te sortir de ce vent. Ne laisse personne. Je ne veux pas tout vous dire ici. Mais vous savez ce que je vois là? Il y a des présidents. Dieu m'a dit ça il y a des années. Ça arrive là. Il y a des présidents qui vont appeler comme ça pour dire, hein, je viens de me convertir. Envoyez-moi une équipe pour prier pour le pays. Notez ça. Allez voir ça. Notez ça. Quand on commence à dire aux gens, venez au commissariat, vous allez voir ça. Vous ne vous rendez pas compte de ce réveil. Hein? Je vous dirai tout ce que Dieu me montre là le 19. Ce qui va se passer là. Vous allez voir. Vous allez voir des coups de fil comme ça. Oh, le président camerounais a le cancer, hein, veut la délivrance. Et est-ce que... Oh, Nama, grand général, avait la lèpre. Une petite fille esclave, mais elle n'était pas esclave selon Dieu. Esclave selon les hommes, mais esclave de Dieu, missionnaire. Elle dit, si le général était en Israël, il serait guéri par le prophète qui est là-bas. Le roi de Syrie, il écrit un courrier. Il envoie au roi d'Israël en disant, je t'envoie Naama, mon serviteur, guéris-le. Le roi a déchiré ses vêtements. Il dit, suis-je Dieu pour guérir? Élisée entend cela. Oh, il nous faut des Élisées là, mes amis. Là. Où sont les Élis ici là? Où sont les Élisées, mes amis là? Les guerriers, les guerrières. Élisée dit, laissez-le venir. Il saura. C'est pas de l'orgueil, hein? Ah, mes amis, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi je te dis, le Dieu que je sers, il te guérit au nom de Jésus. Il dit, laisse-le venir. Frère,
verset de la Bible. Hein? Nous n'allons pas faire la courbette allégeance aux hommes de ce monde, mais ils viendront recevoir la parole. Amen. C'est une prophétie. Et Naaman arrive avec son argent, avec ses banquiers. Élisée n'est même pas sorti. Il dit à Gehazi, va lui dire, d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain signifie celui qui descend. Qu'il descende 7 fois, la perfection. Ensuite, il sera guéri. C'est-à-dire qu'il sort de son titre de général. Parce que devant le Dieu de Dieu, devant le Seigneur de Seigneur, il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre roi. Il n'y a pas d'autre généraux, frère et soeur. Tu descends de ton trône, tu seras guéri. Naaman est descendu. Il ne voulait pas, mais on lui a dit, il faut le faire. La lèpre, personne d'autre ne peut la guérir. Hein. Si ce n'est que ce Dieu-là. Frère, il s'est baigné là-bas bien comme il faut, guéri. C'est pourquoi je vous dis, vous allez voir ici à Martinique, vous allez voir à Martinique. On va dire, non, le président du conseil, machin, tout ça, et un conseil général, tout ça là, est vraiment touché par la prostate. Il veut pas mourir parce qu'il a peur de la mort. Et on a appris sur tes vœux de vie. On a appris sur vos blogs. On a appris que votre Dieu guérit. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, monsieur, il y a une possibilité. C'est pas moi qui veut y aller, c'est vous. Ah oui? Vous qui vous minimisez, là, on vous a minimisé, vous allez voir. On va dire, le conseiller général a envoyé le billet. Ah bon? Mais j'ai pas le temps, mais c'est juste pour un aller-retour. Parce qu'il ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas de problème, envoie-moi un billet. Tu pourras même lui dire qu'il garde son billet. J'ai mon billet. Tu prends l'avion, là, frère. Classe éco. Parce que tu veux être avec tout le monde. Parce que c'est ça notre mission. Là. Nous sommes avec tout le monde, frère. Avec les lépreux, nous sommes là, au milieu. Alléluia. Amen. Tu arrives là-bas à Martinique, tu arrives à l'aéroport, tu es en langue. Oh, yakama, mama, shakana, mama, 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 shaka. La porte s'ouvre d'elle-même comme ça. Tu sors. Tu vois le conseiller du conseiller qui est là. On vous prend la tourne. Avec les motards. Vous arrivez à l'hôpital là-bas, la Ménard, là, je ne sais pas quoi, la Ménard, là, tout ça. Là. Hmm? La Ménard, hein? Alléluia, la Ménard, là, tout ça. Là. À Fort-de-France. La chambre. Tu rentres seulement comme ça, le gars à genoux. Le démon se met à crier. Oh, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous allons aller. Qu'à sortir. Au nom de... Il y a quelque chose ici, là. On va voir le conseiller par terre en train d'écumer. Il va commencer à confesser. J'ai pris la femme de mon conseiller. J'ai pris la femme d'un tel. J'ai pris la femme du maire de Ducos. Ah bon? Délivrance. Guérison. Tu reprends l'avion, tu rentres. Le feu est resté là-bas. Vous allez voir ça. Notez bien. Vous allez voir ça, frère. Vous allez recevoir un coup de fil comme ça, on dit, allô, c'est qui? Je suis le maire de Paris. Maire de Paris? Oui, on m'a déclaré une maladie incurable, mais là, je ne sais pas ce qui se trouve après la mort. Je ne sais pas ce qu'il y a après la mort, mais je vois des guérisons là qui s'opèrent. Est-ce qu'il y a une possibilité pour moi? Bien sûr. Tout est possible à celui qui y croit. Ça coûte combien? Non, c'est gratuit. Prière! Frère, vous pensez que ces gens ne veulent pas la guérison? Attends. Ils cherchent la guérison. Les docteurs disent qu'il n'y a plus rien à faire. Même les transplantations, ça ne marchera pas. Eh bien, nous avons quelqu'un qui a des organes, mais aussi. En rechange. Des organes de rechange? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps, là? Dans ta carcasse, là, qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les pièces qui sont à changer, là, mes amis, là? Vous avez des pièces à changer ici, là, mes amis, là? Vous voulez des pièces de rechange, là, mes amis, là? Hein? Combien? 3 fois quoi? On t'a greffé 3 fois. Ah mais viens. Viens. Ah ben viens. Il va y avoir une dernière greffe là. Bah oui. Et toi c'est quoi? 5 fois. Viens ici. Tu as fait un accident de voiture.
voiture. Il y a combien d'années cela? Oh, ça fait 3 ans. 3 ans, il y a 3 ans de cela. Oui. Tu crois que le Seigneur peut te guérir? Oui. Qui croit que le Seigneur peut la guérir, frère et soeur? Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Yeshua. Zamba salaka bikamu. Oh. Jésus fait. Oh Seigneur, merci. Jésus fait des miracles. Fais ça. Fais ça. Regarde-moi ma soeur. Fais ça. Ouais, comme je fais. Les deux jambes. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Il y a comme si un ange avec un objet était en train de se faire de la soudure au niveau de ses organes. Écoutez, il y a une personne qui est ici, là, qui est venue nouvellement. Cette personne est avalée par un serpent. Le serpent est devenu gros à cause de ça. Tu es dans un serpent, tu es là. Et tu vas sortir aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Tu peux aller t'asseoir, c'est bon. Lâche-la. Le serpent va la vomir. Oh, vous voyez ça? Regardez-moi ça, comment les gens sont. On peut acclamer encore Jésus-Christ. C'est magnifique. Frères et sœurs, comment les gens souffrent, hein, Eric, s'il te plaît. C'était ah, puis, ok. C'est terrible. Quelqu'un en veut à cette femme. Il est allé voir un quimboiseur. Il est allé voir un vaudoïsant pour détruire toute sa vie. Et son intérieur est comme mangé. Elle souffre depuis des années. Elle pleure, elle prie, elle gémit, elle cherche la délivrance, la restauration. Cet esprit ne permet pas qu'elle soit dans le bonheur par rapport aux hommes. Vous avez vu ça? Ouais. Aujourd'hui, c'est ta délivrance, c'est la fin de ta souffrance. Allez, sors, démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez! Jesus. Jesus Christ. Dieu s'en occupe.
Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe d'elle. Et un ange avec une épée, mais une courte épée. Cet ange est en train d'éventrer ce serpent. Et on sort la sœur. Voilà. Qui croit que le Seigneur peut la libérer? Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Alléluia. Ta souffrance est terminée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. On acclame Jésus-Christ. Toutes les maladies, les blessures sentimentales, tout ça là, tu vomis tout ça là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au niveau de la guérison divine, au niveau des blessures de l'âme. Les maladies. Est-ce qu'il y a des sachets ici là? Ok. Il y a un autre esprit ici. Qui a tout fait pour que cette personne ne vienne pas ici. Cet esprit, la nuit t'étouffe. Tu t'étouffes la nuit. Cet esprit. Dehors, hein? Apportez-moi la personne. On acclame le Seigneur de Nazareth. Voilà. Tu vomis tout ça au nom de Jésus, ça sort. Vous savez le démon là, de la personne qui est dehors là. C'est un démon qui a la forme d'un... C'est comme un sac en plastique. En fait, vous savez, avec le sac plastique, vous pouvez vous étouffer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sors. Sors d'elle. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Le Seigneur te guérit, femme, de toutes ces blessures, toutes ces souffrances. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, lâche-la, oh, Jésus. Waouh. On peut vraiment acclamer le Seigneur par rapport à tout ce qu'il opère là. C'est beau, c'est magnifique. Allez, par ici. Vous voyez comment les gens souffrent, hein? C'est terrible, hein? Yahweh, 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 yo. Tu connais ce chant là, mon frère Daddy? Ma soeur, tu connais ce chant? On acclame encore le Seigneur. Merci frère. Seigneur, merci. Babinga kayo,
Yaya, on t'appelle grand frère. On t'appelle grand frère. Sois guéri, Seigneur Jésus de Nazareth, alléluia. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Papé Kakayo. Dans le Tanakh que vous allez retrouver dans la Bible de Jésus. C'est bon papa, c'est réglé. Amen. Oh Jesus, au nom de Yeshua. Babé Nakayo. Commence à pourrir. On a coupé une partie. Vous pensez que Dieu peut guérir cet homme? Qui le croit? Qui croit que Dieu peut lui donner et veut lui donner un foie tout neuf? C'est bon. Allez faire des examens. Amen. Allez refaire des examens. Le démon dit laissez-moi. Ah ben non. Ta gueule. Le démon dit ta gueule. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Oh, on peut pas le laisser tranquille. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Voilà. Tu as compris toi-même, tu t'es mis à genoux. Voilà. Laisse-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Allez, sors d'elle. Voilà. Allez, sors comme ça. À genoux. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. À genoux. Voilà. C'est un ordre. Je dis à genoux maintenant. Voilà. Maintenant. Tu exécutes. Je vais vaincu au nom de Jésus-Christ. Je vais tuer. Laissez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Quel est ton nom? Je vais la tuer. Ton nom? Laissez-moi. Jesus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oh. Église, chassez ce démon au nom de... Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Allez, tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors. Au nom de Jésus. Oh Jesus. Oh Jesus. Elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je veux pas qu'elle ressuscite dans sa vie. Je veux pas qu'elle ressuscite. Je veux que ça soit la souffrance pour elle. Je vais la tuer. Jolie, elle est trop belle, je vais la tuer.
jamais, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est déjà fini. Elle est déjà morte. Elle est déjà... Père, au nom de... Tout est accompli. Jesus. Je vais tuer son fils. Sa fille. Tu es menteur. Tu es menteur. Je ferme ta bouche au nom de Jésus. Maintenant. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Elle aime cet homme. Mais je vais jamais accepter que les deux vivent ensemble. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Mais c'est là, c'est ma fille. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Ah. Je l'aime. Je ne veux pas qu'elle se marie au Ghanéen là. Parce que lui, il est trop intelligent. Elle aussi, elle est intelligente. Malgré que j'ai empêché d'aller à l'école. Mais elle est trop intelligente. Je ne veux pas la laisser tranquille. On sait à qui on a affaire. Là. Les hommes sont derrière elle. Les hommes la regardent. Les grands types viennent derrière elle. Mais elle accepte. Elle donne son corps. Elle pense qu'ils vont l'aimer. Parce qu'elle n'a pas eu de père. Elle n'a pas eu de mère. Mais les hommes ne l'aiment pas. Dès qu'ils profitent d'elle, ils la laissent. Tais-toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne peux pas. Tais-toi maintenant au nom de Yeshua. Jesus Christ. Non, maintenant. Que la parole... Jackie. Jesus. Tu n'es rien. Tu n'es Jesus. Rien. Tu es menteuse, tu menteuse. Je l'ai déjà tué. Au nom de Yeshua. Je ne peux rien faire. Alors, elle est déjà Jésus peut quelque donc, chose. Je l'ai empêché de venir. La puissance de la résurrection a été prévue pour nous. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Invoquons le nom de Jésus-Christ sur elle. Maintenant, 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 maintenant. Priez, priez. Cette chose, ça s'en va. Priez, 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 priez. Allez, sort, allez, sort. Allez, sort, nom de Jésus. Allez, sort, voilà. Allez, sort. Allez, go. Allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort. Allez, sort, allez, sort, allez, sort. Voilà. Allez, sort. Sort, donc, Jésus de Nazareth. Aide ta famille, allez, sort. Jesus Christ. Oh, 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 Jesus. Tendons nos mains vers elle. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh, Jesus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Nous bénissons ton nom pour ton feu. Nous bénissons ton nom pour le miracle. Nous bénissons ton nom pour la guérison, pour la délivrance. Je bénis ton nom pour le miracle dans la vie de ma soeur. Au nom de Yeshua. Femme. Femme, voilà ta délivrance. Maintenant. Voilà. À genoux. On acclame Jésus de Nazareth. Tu es libre, ma soeur. Au nom de Yeshua. Libre. Ah ben voilà, on acclame Jésus. C'est magnifique. Jésus est trop fort. Jésus-Christ, oh alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou. Démon de mort qui s'en va. Julien, chasse ce démon là. Ça va?
revienne. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aidez-la. Prenez l'enfant là. Lâche-la. 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 Lâche ma soeur. Lâche-la. Lâche-la, non, Jésus. Allez, sors, sors, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, je dis, sors d'elle. Au nom de Yeshua. Jesus. Dieu te libère de mari de nuit. Il te guérit au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Tu vomis tout ça là au nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est réglé. Maladie qui a un nom bizarre. Il faudrait parler avec elle à la fin, hein, Marine. Elle a des choses à confesser. Gougeot. Waouh. Une maladie orpheline. Viens, viens. Voilà, Dieu l'aime. Hein? Vous pensez que le Seigneur peut la guérir, là, mes amis? Maladie orpheline. Oh, Dieu. Et le père des orphelins. Jesus. Lâche-la. Voilà. Lâche-la comme ça. Là. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Sors. Sors. Elle. Jesus. Tu vas confesser des choses là. Ma soeur. Voilà. C'est bon. On a enlevé ça. Bon. Tu reviendras avec les arts. Mm-hmm. D'accord. Tu peux enlever tes lunettes. Jésus. Jésus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Au nom de Yeshua. Jesus. Je te vois avec ça, c'est quoi? Des médicaments pour la tension artérielle. Tous les jours. Dès que tu marches vite, tu es soufflé. Comprimé thermisartan, hydrochlorosiazide. Il y a combien de lettres là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dix-neuf lettres. 9 plus 1, ça fait 10. 1 plus 0, 1. Voilà. Dieu est 1. Et c'est bon pour toi. Amen, amen, amen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ça sort, ça sort. Zambenanga. Non, mais quand je dis c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est bon. C'est ça. Vous comprenez. D'accord, ça, on va prier pour. Il n'y a pas de chose, on va prier pour ça. Hein? D'abord les gens concernés. Oh, Jesus. Il y a Pierre ici. Pierre, qui est venu nouvellement. Pierre. Pierre, c'est toi. Ah, ben voilà. Viens, mon frère Pierre.
Tu vois, dans le dos là. C'est bon. Dieu me dit de dire c'est bon. Hein? C'est bon, mon frère Pierre. C'est bon, c'est réglé. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur, mes amis. Ça va? Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. C'est bon, c'est réglé. Je veux te louer. Jésus, je t'aime. Ça va? Le dos, depuis combien d'années? Depuis 4 ans. Waouh! Vous pensez que son dos peut être guéri? Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. On lui a envoyé cette maladie à cause de la jalousie. C'est fini, c'est réglé. Tu vas faire des examens et revenir avec ça. Un lundi soir. Tu crois que le Seigneur peut te guérir? Tu espères. Tu es croyant pratiquant. Tu fais des crises d'épilepsie. Tu as entendu cette femme qui était épileptique depuis 38 ans? Tu as tes médicaments là. Matin, midi, soir. Depuis combien d'années? Depuis 2010. Depuis que tu es rentré des Antilles. Attends. Donne-moi le micro là. Donc depuis 2010, tu as commencé à faire ces crises. Oui. Depuis que je suis rentré des Antilles, j'ai reçu un courrier d'une voyante qui me disait qu'il m'arrivait un gros malheur. Tu as consulté une voyante? Non. Un courrier d'une voyante, ouais. Qui t'a prédit qu'un grand malheur allait t'arriver. Voilà. Et wow. J'ai pas internet. Et je me demande comment, au jour d'aujourd'hui, comment elle a eu mon adresse. Et depuis, tu as des crises? Non, j'en avais auparavant. Okay. En fait, les courriers de cette personne, je reçois depuis peut-être un an ou deux ans, je ne sais plus. D'accord. Vous pensez que le Seigneur peut le délivrer? Au niveau du dos, là, c'est réglé. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, alléluia, alléluia. Sors de son dos, là. Quitte son dos. Allez, sors comme ça, là. Voilà. Sors comme ça. Lâche-la, lâche-la, sœur. Voilà. Allez, sors. Tu sors, tu la lâches. Tu la lâches. Oh, alléluia. Et Dieu va toucher ta famille bientôt. Là. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. Lève tes mains. Épilepsie, tu vas quitter mon frère au nom de Jésus-Christ. Démon d'épilepsie, tu vas lâcher cet homme et tu ne vas plus revenir dans ce corps. Tu lâches, tu le lâches maintenant au nom de Yeshua. Tu sors de là au nom de Yeshua. Tu le quittes. Allez, tu le quittes. Allez, tu le quittes. Allez, tu le quittes. Tu remontes de son esprit. Tu lâches son esprit. Tu lâches son âme au nom de Yeshua. Voilà, tu sors. Tu sors. Voilà, tu sors. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Au nom de Yeshua. Tu remontes et tu t'en vas au nom de Yeshua. Tu vas laisser son corps, tout son corps. Et au nom de Yeshua. Et ne plus venir dans ce corps au nom de Yeshua. C'est fini. On acclame le Seigneur, c'est réglé. Si je t'aime, tu es mon roi. Je veux te louer. Jésus. Jésus, je t'aime. Tu lâches cette oreille-là. Tu lâches cette oreille-là.
lâche-la, 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 au nom de Jésus-Christ. Tu vas quitter cette oreille-là, tu m'entends, au nom de Yeshua. Surdité, lâche cette oreille. Tu lâches cette oreille, voilà, tu lâches cette oreille, tu lâches cette oreille. Jesus, alléluia. Ouvre-toi, au nom de Yeshua. Yeshua. Oh Jesus. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Tu es mon roi. Ça fait des années que je t'ai pas vu. Quand je suis les enseignements, ça fait combien d'années que je t'ai pas vu? Au moins 3 ans. Waouh, ça fait plaisir de te revoir. Quelque chose sort. Comme un tissu qu'on avait mis dans son oreille. Ça sort là. Des sacs là, il y en a qui vont vomir quand même là où ils sont là. Il y a un démon là. Chut. Là où vous êtes assis là, il y a un démon en forme de limace, vous savez la petite bête là. Voilà, quitte moi ce corps au nom de Jésus-Christ. Ce démon là, la personne là où elle est assise là, tu vas vomir cette chose au nom de Yeshua. Oh alléluia. Hein? Ce démon là provoque des problèmes avec tes intestins, avec la digestion, et tu ne vis plus normalement, tu ne manges plus normalement comme avant. Cette chose-là, là, ça remonte de toi, là, au nom de Yeshua, ça remonte. Et ça va lâcher ta vie définitivement, au nom de Yeshua. C'est un ordre que je te donne, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël, au nom de Yeshua. Tu vas lâcher ce corps, tu vas lâcher cette vie. Tu ne vas plus tourmenter cette femme. Elle va manger normalement, au nom de Yeshua. Alléluia. Tu vas lâcher son estomac que tu tiens comme ça, là. Il y a cette guérison, ma soeur, par rapport à ton estomac, là où tu es. Dieu pose sa main sur toi et te libère de ça, au nom de Yeshua. Alléluia. Tu vomis cette chose-là. Je dis, tu vomis ce démon-là, tu vomis. Oh, Jesus. Il y a une personne ici. Tu marches, mais tu as un boulet. Il faut lui donner un sac. Elle va encore vomir des choses. C'est un travail que Dieu opère. C'est une souffrance depuis des années. Hein? Tout ce que tu fais ne produit rien. Tu es là. On t'a attaché à une chaîne. Il y a une grosse boule. C'est un boulet que tu traînes depuis des années. C'est une malédiction. Il y a trois personnes au moins qui sont concernées là. Partout où tu vas, il y a cette chaîne là qui est avec toi là. Aujourd'hui là, je parle de toi là. Je m'adresse à cette chose que tu traînes là. Allez, sortez maintenant. Sortez au nom de Jésus-Christ. Voilà. Sortez, quittez-moi ça. Quittez-moi ce corps là. Au nom de Jésus-Christ. Voyez comment Dieu est bon. Vous la voyez comme ça là, mais elle traîne un boulet énorme. L'onction de Dieu vient sur elle. Elle va venir elle-même. Ici, là. Viens ici. Viens ici au nom de Jésus. Laissez-la venir, là. Ici. Voilà, elle n'est pas la seule. Elle aussi. On acclame le Seigneur. Elle aussi, là. Ici. Ici, à genoux. À genoux. On acclame Jésus. On acclame Jésus, mes amis, là. Oh, c'est magnifique. Ça. C'est la puissance de Dieu. Les démons ne peuvent pas vous obéir s'il y a le péché. Là, je vous dis.
Vous allez les chasser, ils vont vous dire, mais non, mais on doit être dans le péché. Ah oui. Elle, là, vous la voyez comme ça, là. Ça vomit, là. Une grosse boule en fer. Jesus Christ. Ça va vous lâcher, là. Ah, c'est un homme qui a mis cette boule là sur elle. Là-bas, là, on acclame le Seigneur. Voyez ça là, comment Dieu est bon. Amenez-la, moi. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. On va cueillir du démon. Tu peux rentrer, ta fille va bien. Tu veux confesser des choses, bon, tu attends là. Waouh! Dis à ton voisin, l'hôpital est ouvert. Les urgences fonctionnent. Touchez-moi vos oreilles là où vous ne pouvez pas entendre là. Vous allez voir ça. Ça se débouche. Tes oreilles qui étaient bouchées là. Ton oreille gauche qui n'entendait plus. Ton oreille droite qui n'entendait plus. Regarde comment tu entends maintenant. Là. Les yeux qui ne voyaient pratiquement plus là. Regarde comment ils s'ouvrent. Dès que tu as une guérison là, tu lèves ta main. Si ton oreille se débouche là, si tu commences à voir, tu lèves ta main. Donnez gloire à Dieu. Oh, Jesus. Elle est complètement KO, là. Ce démon a reçu, je ne sais pas combien de percutes, là, du Seigneur, là. KO. Écoutez, écoutez-moi. Écoutez-moi ce que cet esprit est en train de me dire. Tu te prends pour qui, il me dit. Un autre démon là, qui est là. Tu te prends pour qui? Il me dit, je ne bouge pas de ce corps. Il me dit, il a épousé. Il estime qu'il est ton mari légitime. C'est pour cela qu'il vient t'attaquer comme ça, là, t'agresser. Ah bah oui. Mais tu t'es trompé. Tu es menteur. Je dis tu es menteur. Au nom de Yeshua. Je dis que toi-même, tu vas faire tes bagages. Toi-même. Et la bague que tu as mise sur le doigt de cette femme, alors que Dieu l'a appelée, pourquoi tu m'insultes? Là-bas, le mari de nuit s'en va. Là-bas, là, c'est un démon qui surveille quelqu'un, qui espionne. Un démon d'espionnage qui vient t'espionner, qui vient te suivre partout. Tous tes faits et gestes, tu es espionné. Tu te sens espionné. Tu sens une présence depuis quelque temps qui te poursuit. Quand tu es seul, tu sens comme si quelqu'un derrière, quelqu'un à côté te regarde, tes pieds. Et tu te sens mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Là où je parle, te sens mal à l'aise. Je parle à cet esprit qui est là. Je m'adresse à ce démon au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Je m'adresse à toi, esprit impur. Tu vas lâcher ce corps. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a un démon ici des eaux. Il y a un démon des eaux ici. Alléluia. Il y a un esprit des eaux. Un esprit qui t'amène à la séduction. Qui te pousse à la séduction alors que tu ne veux pas de la séduction. Tu ne veux pas de la séduction. Cet esprit de séduction qui... n'est-ce pas, te tourmente, qui te fait faire n'importe quoi. Je dis démon de séduction, je dis esprit de serpent, je dis esprit de Mami Wata, tu vas lâcher ma soeur. On acclame Jésus de Nazareth. Elle, amenez-la moi ici, là, c'est la sirène. Là. Mami Wata. Dis à ton voisin, c'est Mami Wata. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas eu à se la faire.
Elle attire les hommes. Là aussi. Jesus. Elle pensait pas que le Seigneur allait la démasquer aujourd'hui, là, la dévoiler. Mais c'est pas fini. Hein. La reine des côtes. Voilà, c'est une reine. C'est une reine. C'est une. La mère chef. Et il y a d'autres sirènes là dans la salle. Regardez, comme la reine est démasquée, d'autres reines vont se manifester là. Vous allez voir ça. Il y en a qui vont commencer à vouloir danser là. Il y a une autre sirène là. Qui danse tout le temps. Qui danse tout le temps. Cette sirène aime la danse, aimait beaucoup la danse dans le monde, les boîtes de nuit. Là-bas, on acclame Jésus de Nazareth. Amenez-moi toutes ces sirènes là. Amenez-les-moi là. Portez-les carrément là. Oh Jesus. Elles nous ont fait souffrir dans le monde, hein, les sirènes. Hein. Et dans le service comme ça, là, ça vient nous attaquer. Quand un pasteur tombe, c'est la sirène. Bah oui. On acclame Jésus encore, mes amis. Là. Elles vont laisser nos sœurs. Elles vont laisser les femmes de Dieu qu'elles possèdent là. Lâche ma sœur. Si, sirène, tu vas la lâcher. Pendant que les sirènes se manifestent elles-mêmes, Dieu m'a donné un nom de famille. Ce nom-là. Vous entendez la sirène? Donne-moi le micro, là. Je suis belle. Ah, je suis belle. Je sais que je suis belle. Je sais. Je sais que je suis belle. J'ai les garçons, mais je les veux pas. Seigneur, aide-moi. Oh. Voyez, elle a les garçons, mais elle veut pas de ça. Ça, c'est la sœur qui parle. C'est parce que la sirène l'habite. Regardez-moi cette jeune fille. Sirène aussi. C'est pas fini, hein. Il y a beaucoup de sirènes qui commencent à se manifester. Oui, c'est pas fini. Sirène des eaux. Vous savez, quand Jésus a chassé en se servant de l'ange Michael dans Apocalypse 12, quand il a chassé les démons du ciel, comme vous le savez, une grande partie est tombée dans les eaux. Et ça a donné ces sirènes-là. Les Mami Wata. C'est des reines de côte. Dieu, pendant que les autres... Il y a d'autres sirènes qui vont être même au 24 là-bas. Là. Même vous qui êtes de l'autre côté de la salle. Les sirènes là-bas, amenez-les-moi ici. Dès qu'il y en a une qui se manifeste là, amenez-la-moi. Est-ce qu'on peut écrire en grand le nom que Dieu m'a donné là? Et le feutre là. S. I. M. B. A. Simba. Qui a le nom de famille Simba? C'est qui? Simba est là-bas? On acclame Jésus, tu viens ici. Alléluia! Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer, alléluia, amen. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Jésus, je t'aime. On va s'occuper des sirènes après. Jésus,
Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dieu donne mes nanana, même les noms de famille. Jésus sait tout. Comment pourrais-je savoir qu'elle s'appelle Simba si ce n'est Jésus? Il est vraiment Dieu, Jésus. Aucun marabout ne peut le faire sauf Jésus-Christ. Sois loué. Zambenanga, Kolonanga, Zambenanga. Amen. Yebio, Kaina yebio, na yebio te. Je ne te connais pas. Est-ce qu'on s'est déjà vu tous les deux? C'est la première fois que je viens. Comment? C'est la première fois que je viens ici. C'est la première fois que tu viens ici. Zambé. Il n'y en a pas. Je le dis aujourd'hui, il n'y en a pas. Il m'a abandonné. Il y en a pas. Dieu t'aime, jeune fille. Il m'a laissé avec les sirènes. Non. Il n'y a pas de sang. C'est ce que Satan te fait croire. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai gêné. Il ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas aidé. Il m'a Mais laissé. Parce que c'est le temps aujourd'hui. Il m'a laissé. C'est ton temps aujourd'hui. Mon père m'a laissé. Tout le monde m'a laissé. Mes frères m'ont frappé. Tout le monde m'a abandonné. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour m'aider. Mais le Seigneur est là, jeune fille. Le Seigneur est là. Je me suis réfugiée dans la séduction. Les sirènes ont accepté de me prendre. Elles ont accepté, je ne voulais pas. Ah, le Saint-Esprit m'a laissé. Non, il ne t'a pas laissé. Il m'a abandonné. Écoute, jeune fille, si tu veux la délivrance, si tu veux la délivrance, écoute-moi bien. Si tu veux la délivrance, si tu es venu jusqu'ici, c'est parce que tu veux la délivrance. Alors, écoute-moi bien. Il faudrait maintenant que tu demandes pardon à Dieu. Et tu vas voir, les sirènes vont partir de ta vie. Et tu auras une vie normale. D'accord? Mets-toi à genoux. Oh. Alléluia. 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 Je te laisse avec Dieu. Réfléchis. Ça va là-bas? Oh. Dis à ton voisin, une autre sirène. Portez-la jusqu'ici. Seigneur Dieu, c'est fort, hein? Tu n'as jamais vu ça? Non? Elle est venue pour la première fois. Et pendant que je priais pour les, je voyais Dieu me parler de sirènes. Je les vois dans leur bassin en train de faire leurs affaires, de danser. Et Dieu me dit, il y a une fille, il y a une personne qui s'appelle Simba. Il faudrait l'appeler. Elle, on ne s'est jamais vue. C'est la première fois qu'elle vient. Comment tu nous as connus? Comment nous as-tu connus? Frère Carlos. C'est un frère qui t'a invité. Ouais. Tu habites où? J'habite à Saint-Denis. À Saint-Denis. Tu es marié? Non, je suis divorcé. Tu es divorcé. Ok. Tu as des enfants? Oui. Ok. Combien? J'ai trois enfants. Ah, trois enfants. Uh-huh. Ton mari est parti? Oui. Depuis quand? Ça fait 4 ans. 4 ans. Il s'est remarié? Non. Ok. Oh. Simba. Simba. Simba
veut dire, tiens, Dieu me dit de te dire de tenir sa main. Il te donne sa main aujourd'hui. Des sorciers ont voulu te détruire. Ils ont détruit ta famille. Ils ont détruit ce que tu avais de précieux. Ils ont mis des tisanies, problèmes entre toi et cet homme. Ils ont amené d'autres personnes. Belle famille, combat, tout ça là. Tout ça là, tu as été beaucoup combattu. Traité de tout le nom. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup souffert. Tu te dis pourquoi moi? C'est comme si le ciel te tombait sur la tête. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Les gens se sont moqués de toi. On t'a accusé de toutes sortes de choses. On t'a traité de beaucoup de noms, de tous les noms. Tout ça, sorcellerie, tout ça. Le Seigneur te dit, Simba, tu es venu parce que tu as entendu la parole, l'invitation. Tu vois, Dieu te dit, je t'ai appelé par ton nom pour te dire que je te connais. En sortant d'ici, ta vie change. Au nom de Yeshua. Oh, Jésus. Dieu te dit, tu vas déménager. Il va te donner une grande maison. Il va te donner de la place pour recevoir d'autres personnes. Le Seigneur change ta destinée. Il dit, maintenant, sanctifie-toi davantage. Ne laisse pas les hommes toucher ton corps. Tu vas voir ma gloire se manifester. Tu vas voir ma puissance se manifester. Le Seigneur te dit, tu verras la rétribution des méchants. Ceux qui t'ont lapidé, ils viendront demander pardon au nom de Yeshua. Tu es appelé à chanter pour le Seigneur. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur, à intercéder pour les autres au nom de Yeshua. Et Dieu venait de te dire qu'il te guérit aujourd'hui. Tu pars avec ta délivrance et ta guérison au nom de Yeshua. Alléluia. C'est réglé ta vie au nom de Yeshua. Bon voilà, elle s'est mise à genoux. Gloire à Dieu. Maintenant, on va traiter le cas de Sir. Oula. Il y a une autre sirène là qui s'est cachée. Et une autre sirène là. Elle a un habit, l'habit de reine aussi. C'est une sirène qui travaille dans la famille de cette personne. Dans ta famille, les mariages ne tiennent pas. Tu es là, sirène. Tu es là. On acclame le Seigneur. Amenez-la moi là, vite. C'est une reine qui est là. Par ici, vers ma gauche. Vers ma gauche, amenez-la par ici. Oh, Jesus. Vous avez vu cette sirène là? C'est en forme de serpent. C'est une reine, un serpent avec un manteau royal. Et ce serpent-là mange ses organes. Traduis-nous, je peux traduire. I'm tired. Elle est fatiguée, ouais. I'm tired. Where do you come from? Tell me. I'm tired. Where do you come from, sister? I'm from Iran, but my parents. Ireland. Are from Congo. Oh. I'm tired. Oh. Mary, I never go to church. I suffer too much in my life. Hein? Elle trouve pas le travail. Today is your day. My God is hallelujah, mighty, hallelujah, oh hallelujah, Jesus Christ. Oh Jesus. Elle vient d'Irlande, hein? Ouh, nous serons en Irlande en janvier. Tu vas signer un contrat en or. You will sign a gold contract.
Tes organes sont restaurés. Your organs are sold. Tu auras beaucoup d'enfants. You will have many children. Amen. Hallelujah. God bless you, sister. God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus Christ. Oh, Jesus. Holy. Holy. Jeune fille que vous avez manipulée pendant des années, que vous avez utilisée pour vos affaires, aujourd'hui c'est son jour. Oh Jesus, oh Jesus, vous allez quitter définitivement leur corps et ne plus revenir. Elles vous vomissent aujourd'hui au nom de Yeshua. C'est fini. Une parole est sortie, la parole est sortie, c'est réglé. Personne, il y a un démon, c'est en forme de chapeau, mais c'est pas un chapeau, c'est plusieurs serpents enroulés les uns sur les autres, et la personne porte ce chapeau là. C'est pour cela que ta tête a des migraines comme ça depuis des années. C'est pour cela que ta tête est souvent lourde. Tu ne comprends pas pourquoi, ma soeur. Voici les démons qui quittent ton corps, qui quittent ta tête. La sortez maintenant. Même. On acclame Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Sortez. Oh. 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 Aha. Démasqué. Regardez comment ils sont en colère là. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Voilà. Ça sort. Voilà. Le chapeau là s'en va. Les migraines s'en vont. Voilà. Mais Dieu nous aime. Hein? Wow. I'm going to talk with you. After. Hein? Meeting. Ok. Et l'anglais là, ça vient quand il y a l'onction. Eh, c'est ça, non? Ah ben attends. Ça sort là, je ne sais même pas si ça vient d'où là. Avec l'onction du Saint-Esprit, on fait beaucoup de choses. Hein? Nous autres, là, sans Dieu, nous sommes zéro. Ah oui, je vous dis. Les démons qui obéissent comme ça, ou quand... Oh non. Ah. Le chapeau là, royal là, fini. Fini, voilà. Voilà, ça sort. Ah oui. Go out now in the name of Jesus Christ. Alléluia. Je vous envoie au désert de Sarah. Je ne connais pas d'autre désert. Hein? Voilà. Là, ça sort par la toux là. Voilà, jeune fille. C'est fini. Dieu t'aime, tu sais. Dieu t'aime beaucoup. Voilà, c'est l'amour du Père qui vient sur toi maintenant pour te restaurer au nom de Yeshua. Il t'aime beaucoup. Il te donne une nouvelle, n'est-ce pas, espérance. Voilà. Allez, ça sort. Allez, tout ça. Allez, tout ça. Allez, tout ça. Allez, tout ça. Go. Allez, 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 sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sortez. Maintenant.
Voilà. La colère s'en va. Allez, sort la colère. Allez, sort. La haine, allez, sort. Si, si, si. Allez, sort. Allez, sortez. Allez, sortez. Voilà. Allez, go. Allez, go. Marine, touchez son ventre là. Elle là. Ça va, sort là. Voilà. Voilà. Marine, elle aussi touche son ventre là. C'est au niveau du ventre là, de l'utérus là. Ça remonte, ça sort. Au nom de Yeshua. Vous croyez que c'est possible, frères et sœurs? Qui croit que c'est possible, mes amis là? Au nom de Yeshua, ça sort, au nom de Yeshua. Oh Jesus, alléluia. Oh alléluia. Oh Jesus Christ. Oh alléluia. Au nom de Yeshua, Jesus. Les cheveux. Hein? Jesus Christ. Jesus. Jeune fille. Ce serpent là. Voilà, regardez-moi la sirène. Vous avez vu la sirène? Vous avez vu la fierté là? Ça c'est la sirène. Vous avez vu comment la sirène fait? Regardez-moi ça. Vous avez vu la pose là? Ah. Ça c'est la sirène. Jesus Christ. Allez, pars. Allez, pars au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Sortez. Toi aussi, jeune fille, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Pourquoi je devrais partir? Parce que ce n'est plus ta maison. Ce n'est plus ton temple. Cette jeune fille ne veut plus de toi. Pourquoi? On l'a recueilli. Vous l'avez recueilli, mais aujourd'hui Dieu la recueille, Dieu l'accepte. Au nom de Jésus. Oh. Elle aura de l'argent avec nous. Elle aura tout. Elle aura de l'argent avec elle. Elles disent. Mais c'est faux. Jeune fille. Aujourd'hui, sirène des hommes. Mami Wata, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez. Voilà. Au nom de Yeshua. Allez, sortez. Allez, on y va. Au nom de Yeshua. Elle vous vomit. Allez, sortez au nom de Yeshua. Allez, sortez au nom de Yeshua. C'est fini. Ça sort. Au nom de. Voilà. Ça sort. C'est en train de sortir là. Oh, Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Elle n'aura plus les hommes comme hier. Elle aura un seul mari pour toute la vie. Au nom de Jesus. Sardo. Alléluia. Jesus. Oh. Ah Seigneur. Amen. Amen. Tu m'as glorifié, Seigneur. Oh oui, ceux qui l'ont appelé, il les a aussi glorifiés. C'est dans la Bible, oui, frère. Alléluia. Ah, tu as cru qu'il t'avait abandonné. Que tu étais parti, que tu m'avais laissé à cause de mes péchés, Seigneur, mes péchés de la chair, Seigneur. J'ai cru que tu m'avais abandonné, mais tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Alléluia. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Alors à partir d'aujourd'hui, jeune fille, plus de sexe jusqu'au mariage. Tu entends? Tu entends? C'est la première fois que tu viens ici? Oui, non. C'est pas la première fois? Non. Donc, le péché sexuel, tu arrêtes avec ça. Danse, tout ça, musique, tout le monde, tout ça là. Tu arrêtes pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu es baptisé? Non. Tu veux le baptême? Oui. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. 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 Ne vous inquiétez pas, même si on ne vous touche pas, c'est pas ça le problème. La soeur qui a été guérie du sida, personne ne l'a touchée. La foi. La gloire foi. Te soit rendue tout puissant. Oh, éternel des armées. Oh, tu peux le glorifier. Éternel miséricordieux. Oh, ben, oh, Dieu de gloire. Amen. Dieu d'amour. Dieu de paix, amen. Seigneur. Oh, touche chacun de tes enfants ici, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur. Amen. Je te sens. Je sens ton esprit, Seigneur. Pardonne-moi de t'avoir abandonné, Seigneur. Je suis qu'un humain, Seigneur. Je pèche, Seigneur, mais pardonne-moi. Je m'incline devant toi, Seigneur. En ce jour même, Seigneur, pour que tu me pardonnes, Seigneur. Oh, oh Dieu de gloire. Oh, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, Seigneur, tout enfant qui le craindra, il va se révéler à eux, Seigneur. Craignez Dieu. Craignez. Craignez. Elle passe de l'incrédulité à la délivrance, à la purification, à la confession et à la prophétie.
Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Jeune fille, viens par moi, viens par ici. Comment tu t'appelles? Comment? Chelsea. Chelsea. Oh, quel âge as-tu? 18 ans. Oh, tu es toute jeune. Viens, viens, viens là, Chelsea. Là. Oh, Jesus. Alors, ceux et celles qui veulent le baptême, venez ici. Venez à mes côtés. Laissez-les venir. Ah ouais, laissez-les venir. Pour la guérison, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. D'accord? Croyez à la parole, c'est déjà réglé. Je vous dis. Regardez, pour ceux qui sont malades là, condamnés, vous croyez que Dieu est avec nous? Vous croyez que Dieu m'a appelé? Jésus-Christ m'a appelé? Ok, mon frère, Dieu te guérit. Toi, tu as été, on a mis un cercueil derrière toi pour te tuer, pour mourir. Le Seigneur voit tes larmes, le Seigneur voit tes pleurs, le Seigneur te guérit, ainsi que la famille. Au nom de Yeshua, on enlève le masque de vieillesse sur toi, de la sorcellerie, et tu vas voir, c'est fini, tout est réglé. Cette jeune fille, le Seigneur va la restaurer au nom de Yeshua. Elle va beaucoup chanter pour le Seigneur. Oh, alléluia, Jesus Christ. Pour le baptême, venez, 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 venez par ici. Venez, venez, venez vers Jésus. 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 Boya, boya, boya et paya Yesu. Boya, boya, boya et paya Yesu. Boya, boya, boya na Yesu. Boya, boya, boya na Yesu. Boya, boya, j'arrive. Micro, na Yesu. Servir le Seigneur au nom de Yeshua. Toi qui voles ton intelligence par rapport aux études, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Et Dieu guérit ta famille. Dieu guérit tes parents. Dieu délivre ta famille. Au nom de Yeshua. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Tu peux chanter, tu peux y aller. C'est magnifique. Il y a des choses qui sortent là. Ça sort. Les démons sortent.
baptême. Regardez-moi toutes ces personnes qui veulent Jésus, le baptême. Oh yeah. D'être avec vous ici les frères. Je voulais vraiment dire merci à Dieu parce que je me suis surpassée. Je lui avais promis de faire quelque chose. Alléluia. Et je suis venue ici parce que j'en ai marre d'avoir peur. Parce que je veux suivre mon appel, parce que j'ai été appelée, je veux le servir et je veux avoir mon baptême encore. Je sais qu'il est venu me voir, mais je voulais l'affirmer. Aujourd'hui, je veux qu'il guérisse ma famille et qu'il guérisse aussi mon mari car je l'aime au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, alléluia. Eh bien, c'est... Oh, il y a une onction sur elle, là, mes amis, là. Jesus. Oh, alléluia. Eh bien, Dieu guérit cet homme. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. 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 C'est magnifique. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ceux qui veulent le baptême. Courez. Il n'y a pas de place. Vous voulez le baptême là? Il y a de la place. Venez ici frère, il n'y a pas de souci. À mes côtés. Mon grand, laissez les baptêmes, laissez les futurs baptisés. Il faut qu'ils viennent là. Nous allons avoir une photo de famille. Quand même frère, c'est le dernier jour, non? Ah bah oui, quand même. C'est une photo qu'on va retrouver au ciel. Certainement. Ah bah, tout est filmé mes amis. Ah bah oui, à mes côtés, avancez. Avancez par ici. Venez à mes côtés. Je suis votre frère, ne vous inquiétez pas. L'onction ne va pas vous faire du mal. Venez par ici. Venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. 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 Où qu'allez ? Hein ? Allez, on va donner le micro tout à l'heure. Regardez-moi tous ces baptêmes, tous ces baptisés. Oh, mon grand, viens ici, mon grand. Alléluia, gloire à Dieu, mon grand. Oh, magnifique. Magnifique. Je fais une belle photo de la famille. Mon grand, viens ici avec côté, s'il te plaît. Je suis entre deux grands. Hein? Venez, mes gars. Les gars, venez, venez. Venez, mon gars. Comment on dit magnifique. Alléluia. Jesus. Alléluia. Oh, magnifique. Jesus. Magnifique. 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 Jesus. Ça, ça mérite une chanson encore pour le Seigneur. Avant que la sœur ne parle. Vous savez la joie que j'ai la première. Mon frère t'a dit, la même chanson, là, s'il te plaît. Photo de famille. On va la mettre juste à côté du trône. Là, Loïc, s'il te plaît. Alléluia, oh Alléluia, yeah.
Alléluia, oh. Amen. Vous aussi, hein, pareil, baptême. Kolotika na yemele, kolotika na kunise, kolotika na samba. Amen. Amaloka moti ne mati na moti, kalingi na kunise, tikangai na sanjola yo. Amen. Préparez l'eau là-bas déjà, mes amis. Kombona yo masiana. Et la mopanga monene, la coquille Satan. Amen. Oh, comme on a yo, ma siana. Et à la tête, la bandana. Amen. 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 Oh, na comba libota na dikite. Na comba no pona dikite. Na diki na kumbona yesu. Amen. Oh, ma tangele nga bakita kama si. Amen. Oh manda basaka baba, oh rababa basaka, Père sois élevé, Père sois glorifié, Père sois béni, Père merci Seigneur Dieu, Alléluia Père de gloire, oh rabasaka, Adonai notre Père, oh rababa basaka, oh darabara cheke bebebe sara, merci pour la force du buffle, merci pour la force du buffle, merci pour la force du buffle, merci Père de gloire, merci pour les combattants. Merci pour les commandants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Rabasaka Baba, oh Darabara Sheke Baba, sois glorifié Père, sois glorifié Seigneur, tu es Dieu Père de gloire. Merci Jésus.